Et coucou tout le monde, on est de retour sur Graveyard Graveyard Keeper, Old DLC. J'étais en voix... Bonjour. Hey. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais faire tout le stream comme ça. Ah, ça va être un plaisir. Est-ce que vous kiffez quand je parle comme ça? Moi, je kiffe quand je parle comme ça. J'aime bien cette voix. J'entends ma voix dans l'oreille et ça m'excite. On est de retour sur Graveyard Keeper. Dernière grosse session, à mon avis, avant de partir en vacances. C'est comme dans les sitcoms où ils te mettent... Parce que, alors, je reprends pour les VOD, on est en train de parler d'épisode 1000 de One Piece. C'est comme dans les sitcoms où ils te mettent un épisode spécial best-of avec des flashbacks, tout le monde s'en branle, en... sérieux. Alors, c'est discutable, il y en a, ils sont pas ouf, mais j'avoue, tu vois, s'ils en font pas trop... Tu vois, un épisode, quand il y a eu pas mal de saisons, qui te remémore... Tu vois, genre, par exemple, Scrubs. Scrubs, j'ai grandi avec. C'est-à-dire, la première diffusion en France, j'ai regardé l'épisode 1, je suis tombé dessus, il était 1h du mat sur M6. J'étais en mode, c'est trop bien. Et ensuite, je suis tombé amoureux de Scrubs, tu vois. Donc, résultat, j'ai regardé la série, et j'ai grandi avec la série. Et il y a eu un épisode flashback vers la saison 6 ou 7. Et en vrai, l'épisode, bah, c'est des clips chauds, hein, qu'on se le dise. Mais ça restait, ça reste agréable à voir, tu vois. Ça reste agréable à voir. Mais ils te le font une fois. Ils te le font une fois dans toute la série. Et tu vois, ça faisait genre 7 ans que je suivais la série. C'est en mode, ouais, bah peut-être, ouais, c'est vrai que c'était drôle. Et en plus, voilà, c'est sympathique, tu vois. Putain, la voix des enfers. C'est sympathique légèrement. J'avoue, c'est une paresse d'écriture. Mais même, tu vois, mais ce qui était intéressant dans Scrubs, par exemple, c'est qu'ils le disent. JD, il dit. Ouais, vous savez, c'est comme... À un moment, il dit, putain, c'est peut-être le moment de se faire des flashbacks, comme dans les vieilles sitcoms pourries, quand les scénaristes ont la flemme d'écrire, tu vois. Donc, il y a un petit brisage de quatrième mur qui rend le truc intéressant. Mais des fois, c'est vrai que c'est de la merde. Parce que c'est pas assumé, t'es en mode, oh putain, c'est un épisode flashback et tout. Mais là, des fois, ils te le font au bout de 3 saisons, et t'es en mode, cousin, ça fait 3 saisons, ça fait pas 7 ans, genre, la série est sortie. Enfin, bref. Je sais plus où j'en étais dans Graveyard Keeper, ça va être... on va faire le tour de toutes mes installations. Hein. Et là, le truc, c'est que dans One Piece, ils se foulent pas pour faire des moments flashback à la con, des fois. Alors, c'est moins que dans Naruto, hein, parce que dans Naruto, vraiment... ils abusaient de ouf. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais dans mes... Je sais plus, alors... On avait boosté... Putain, j'ai 4 corps à la morgue. Alors, j'avais joué lundi. Alors, lui, d'où j'ai un corps qui vient d'être livré. Extraire le sang. Bon, voilà, on commence une bonne journée de... Une journée normale. Bon, je vais le mettre sur les palettes réfrigérées. Je sais pas si c'est des zombies ici. Ok, là j'ai un corps, là j'ai deux corps. Je pense que ça fonctionne quand t'es à la fac, que tu suis la série sur des années, vu que je pense la série assez rapidement, faut dire que ça me gaffe quand je vois un épisode flashback. Alors je me... Ouais, mais voilà, faut pas... Ouais, mais... Le problème de One Piece, c'est que t'as 1000 épisodes, cousin, quoi. C'est pas... C'est ça, le truc. T'as 1000 épisodes. Y'a 1000 putains d'épisodes, quoi. La série, tu la connais, quoi. T'as pas besoin de flashback. Si t'es toujours là en train de regarder One Piece, c'est que t'es toujours... tu kiffes, en fait. Faut être honnête. C'est que tu connais la série. T'es pas arrêté, tu vois. Tu la connais, la série. Y a pas de... Là, c'est des cons, là. Est-ce que je peux faire encore de la bière? Ah non, j'ai plus de céréales, j'ai plus d'eau. Je sais plus, j'avais quoi à faire. J'ai des oignons qui poussent. En vrai, je vais faire les trucs de base ensuite. En vrai, on avait dit qu'on allait explorer un peu le côté comment ça s'appelle?
quand tu rajoutes des liquides dans les cadavres pour qu'ils aillent mieux. L'embaumement. On n'a pas du tout vu tout ce qui était phase d'embaumement. Et ça pour, je pense que ça peut être très intéressant. Parce que là, il laissait, on avait eu le problème du fantôme qui disait « Ouais, t'as les mecs que tu mets là, ils ont des valises au cul. Ils ont des casseroles au cul, c'est pas cool, le cimetière est dégueulasse quoi. » Donc on va faire de petites expériences. En plus on a 3-4 cadavres d'avance. Détruire. Ouais, déchets agricoles. Ça, on s'en bat les couilles. Les lentilles là. Hop. Ah voilà, One Piece, c'est un peu dommage de faire autant de marketing pour qu'au final ça te serve à ça. Pour ça quoi. Pour un épisode flashback quoi. C'est tristesse quoi. C'est vraiment c'est vraiment prendre les gens un peu pour des cons quoi. Hop, les graines. Graines de citrouille. Graines d'oignon. Hop, on remet des déchets agricoles, putain. Ah merde, j'ai détruit du chanvre. Ah mais je suis un connard. Attends, non. Si, j'ai détruit du chanvre, ouais, je suis un connard. Bon, ensuite j'en ai une bonne réserve, mais... Tac, tac. Les asticots, je peux m'en débarrasser éventuellement aussi. Hop. Là, ils vont me remettre des asticots et de la tour, putain. Lui, je vais leur donner du blé, hein. Le fou, il a détruit le chanvre. Ah, putain. En plus, avec toute la... Tout ce qui marche en CBD en ce moment, c'est une erreur. Hein. On a vu, il y avait un envoyé spécial sur le CBD. Il faut absolument que je regarde ça. On va regarder ça avec ma femme au replay. Je suis très curieux de... Parce qu'il y a une loi, je crois, qui va interdire le CBD. Et je suis très curieux de voir ce que pense Elise Lucet du CBD sur la conclusion finale. Est-ce que mes graines c'est le bordel un peu là, hein. C'est un peu le bordel. Hein. Comment on va faire pour ouvrir la boutique de CBD? Je sais pas. Comment on va devenir riche? Je suis en train de penser, je me dis ouais, tout ce qui est célébrité, là, j'avais le truc des prospectus où je peux améliorer des trucs. Et l'autre, il m'a demandé à devenir aristocrate, je crois. Je sais plus ce qu'il m'a demandé, l'autre connard, le commerçant. Là. Le commerçant, il me vend des graines de vigne. Ah ouais, non, mais on va faire de la chimie en fait aujourd'hui. On va regarder tout ce qui est engrais de fou. Il y a tous les. Il y a les super engrais, je sais que je peux faire du super engrais. Je suis tant en danger de graine que ça là. Oui, on va lui faire faire du blé, ouais. Voilà, du blé. Est-ce que j'ai des graines là? J'ai quoi là? Graines de chou. J'en ai là, ouais. Graines de carottes, bof. Graines de chanvre. Je peux faire des graines de chanvre ici, ouais. J'ai quoi d'autre en graines? J'ai des graines de blé. Pff, ouais non, on va les laisser là. On va laisser s'occuper l'autre. Déchets agricoles. Détruire.
On va déposer toutes mes autres fruits et légumes. J'ai beaucoup trop de ressources. Lui, il a plus de caisse à faire là. Caisse de légumes. Ouais, caisse d'oignons. Ouais, on peut en faire une. Caisse de légumes, ouais. Ouais. Tout ça, les caisses de marchandises, ouais. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Faudrait que je gère un peu mon. On va déposer tout ce que j'ai en trop. Alors, ça, c'est les caisses. Ça, c'était les caisses de fruits et légumes, ouais. Oh, j'ai tellement de choux. C'est l'abus. Mais j'ai encore plein de lentilles et tout ça. Attends, c'est une alu, là. On va déposer mes trucs. Je vais aller voir le bar là, comment il s'en sort. Voir les stocks. Parce que c'est vrai qu'on avait commencé à faire la taverne. Attends, t'es encore là toi, cousin? Toi, lui maintenant il veut que je sois aristocrate quoi. Les papiers d'aristocrate, j'ai une invitation acceptée. Ah, on avait commencé. Ouais, mais aristocrate quoi. Oh putain, 12 PO quoi. En vrai, on a notre premier PO, hein, on était pas mal. Est-ce que je peux... Ma messe, elle est finie, hein. La prière, ouais, voilà. Ma messe, je vais me faire foutre. J'avais fait une messe... Même les messes, elles commencent à rapporter gros, là. C'est pas mal, c'est bien, ça. Hop. Donc ouais, hein, la première heure, ça va être en mode, alors qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai des clous, j'ai... Alors, l'embaumement... Comment je fais du liquide d'embaumement? Technologie, le fluide d'embaumement... Ah là, j'en ai... Ah, injection d'acide. Effet de l'embaumement. Moins. Plus. Ah, et c'est ça qui m'intéresse. Ce fluide d'embaumement. Ah, injection de conservation. Arrête la décomposition du corps. Oh, réduit de 50%. Ça arrête la décomposition et ça réduit la décomposition. Ça me sert à quoi de faire des gens... Alors, résultat, c'est fabriquer table d'embaumement 2. Attends, je le fabrique à la table d'embaumement. Attends, vas-y, on va prendre la recette. On va voir. Attends, mais il me faut une table d'embaumement 1. Établi d'église. Je suis curieux. Attends, on avait réussi à faire de l'acide, j'ai déjà oublié. Ah, il me faut le wiki à côté. Hein. Je suis un connard, mais... Je triche un peu, mais... ça commence à devenir compliqué. Sort bordure. Plein écran. Si je passe en plein écran. Vas-y, je désactive la synchro V. Ah non, c'est pareil. Et si je fais du sans bordure. Voilà. C'est pareil. Hop. Désolé, hein. Alors. Établi d'église. Alors, établi d'église, c'est. Ça, c'est le bureau, donc ça bat les couilles. Établi d'église, encens. Ah, voilà, ok, là j'ai tout. Injection de conservation, injection de restauration. Donc, si... alors, j'ai les stats ici. Effet de l'embonnement, plus. Ok, donc il me faudrait éventuellement... Alors, à chaque fois, il me faudrait éventuellement de l'acide. Il me faudrait de l'acide. Il faudrait que je fasse de l'acide, quoi.
Injection de l'acide. Injection d'acide. Il me faut de l'acide. L'acide que j'ai oublié comment le fabriquer, mais je crois qu'il est en bas là. Ah, mais en plus de l'acide, il m'en faut. Il m'en faut pour l'autre connard là. Il me faut de la poudre toxique et de l'extrait toxique. Et de l'extrait toxique. Je sais plus comment on le fait. Alors, extrait de vie, ok. Objet. Non, mais en anglais, c'est de la merde. Aside. Et il me dit toxic extract et de la toxic extract. Ah oui, c'est de l'oignon qu'il me faut ou de la gelée orange. Ah oui, on avait dit. Bon, bah, on va faire du donjon. Hein. Let's go faire du donjon. On va prendre du pot de miel. On va se vider un peu. On va aller déposer tout ça en haut là. C'est ça que je voulais faire la dernière fois. On n'est pas allé faire du donjon au final quand on était. J'avais dit ouais, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Quand on était sur la Geek Night. Et arrivé là à la fin, bah j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que. Parce que j'avais d'autres trucs à faire. Caisse de marbre. Alors attendez, parce que maintenant je commence à avoir des caisses un peu partout et j'aimerais bien que ça soit un minimum trié. Ah, faudrait vraiment que je trie mes caisses, hein, c'est le bordel. Hein. Si Zanine était là, elle pèterait un pont. N'importe quoi, des coffres. J'ai quoi d'autre là sur moi là? J'ai l'œil du sorceleur. L'œil du sorceleur, éventuellement, je peux le déposer dans mon coffre ici là. Voilà. Une pierre tombale. Pierre tombale, je vais la déposer là-bas. Non, ouais, il faut juste que je prenne un peu de miel. On va aller faire un tour à la taverne quand même pour voir s'ils ont pas besoin de. On va déposer de l'alcool. L'alcool et de la bouffe. Ah, notre cémetière, il y a quand même un peu de gueule hein, avec toutes les statues et tout. Et il l'a poussé à 1000 points, Tixi. C'est un gueule d'un. Là, je suis à poil. Je vais reprendre un peu de vin. On a un peu de temps. Reprendre du vin. Ah, si, je crois que j'ai de la bouffe. Du vin. On va mettre ma picrate là à 40. Let's go la taverne. On va voir qui est en train de se bourrer la gueule à la maison. Ah mais je vais avoir une livraison. Ah putain. Ah mais tant que j'ai des carottes, je peux pas vraiment m'absenter quoi. C'est vrai que j'ai même cuisine ici, ça c'est bien. Hop, le coffre il me sert à rien. Voyons les stocks, il y a une caisse qui est partie. Hop, on va rajouter du vin ici. Et il y a pas mal de trucs qui sont partis, hein. Je crois la bouffe elle est pas mal partie. Hein. Le vin, ils ont kiffé, mais on va avoir un vin d'un peu moins bonne qualité, résultat. Il n'y avait pas une échelle pour... Ah si, là, ici. Aïe, 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 niveau de satisfaction, ça va, les gens sont contents. Montrez-moi ce que vous avez. Vin rouge, 20 x 2, 50. Petit 50 d'argent, en vrai... Non, je peux pas prendre l'argent là. En vrai, j'aurais dû mettre. Non, je vais prendre ça. Ça. Est-ce que ça se vend plus vite si je lui vends? En fait. Si je lui donne directement, peut-être que ça se vend plus vite, je sais pas.
Ok, let's go domicile. On va attendre la livraison de l'autre coco là. Éventuellement, peut-être aller acheter des graines aussi. On va aller faire du donjon. On va aller faire la castagne. Parce que j'ai besoin d'acide. Et je pense que les gelées oranges, je trouve ça que là-dedans. Oh, le vignoble il est ready là. Et sachant que c'est le vin qui me rapporte le plus de thunes actuellement, on va farmer ça un peu quand même. Un peu chiant à farmer, mais ça rapporte. Ah, par contre, je crois que j'ai pas de tourbe. Ah ouais, j'ai pas de tourbe. Ça va se passer, ça va être comme l'autre jour, je vais rien faire. Je vais pas du tout aller dans le donjon parce que je vais aller chercher la tourbe. Le temps que j'aille chercher la tourbe, le connard, l'âne pourri là, il va débarquer. Ouais voilà, je vais chercher la tourbe. Voilà. Je vais prendre 27 de tourbe. Je sais pas combien j'ai de plants exactement. Voilà, c'est connard. Faudra que je fasse sa quête aussi, on pourrait faire ça ce soir un peu. J'ai pas pris de miel. Hop. Ah, même lui, tu vois, ils sont sympas ces cadavres, mais... Là, techniquement, il faudrait que j'aille faire une sieste. J'ai plus beaucoup de miel, il faudrait que je passe par le chemin du miel un peu. J'ai énormément de cuir, hein. Ça aussi, je pense qu'il y a des trucs à faire. Je pense que le cuir, il va être sympa. Enfin, le cuir, j'ai de la peau, quoi. La peau va être sympa surtout pour... Vas-y, hop. Pour faire des bouquins. Hop. Pas besoin de beaucoup de houblon, je pense, pour que ça soit rentable. Ah, c'est vrai que j'avais mis que du vin doré. Ah ouais, putain, le vin doré, ça va tellement bien se vendre. Avec la taverne, là, je vais tellement me faire du pognon. C'est vrai que j'en avais mis beaucoup. Je sais pas si j'en ai encore assez. Normalement, je crois que j'ai une compétence genre main verte. Le village qui tourne au vin rouge comme jamais. Ah, en même temps, je pense qu'il n'y avait pas l'autre taverne avec un peu de la picrate. Et moi, je débarque. Ouais, vous voulez un Bordeaux? Un petit... petite bouteille de Nicolas Feuillatte. Tournez à la villageoise, là, d'un coup, ils ont des vraies bouteilles en verre. Ils sont en mode, ouais, mais c'est la magie, sorcellerie! Finir au bûcher à cause de mon vin en fait. Petit château Pétrus, ouais voilà c'est ça. Tac 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 tac. Là je vais pas avoir assez de tourbe en fait. Ah vraiment la tourbe, j'ai pas assez de. Là j'en ai, il me reste plus, j'ai plus assez de tourbe. Là, je vais plus avoir assez de graines. Ouais, j'ai plus assez de tourbe. Dame! Faut que je reprenne de la tourbe. Bah, je pense que là, elle est prête, l'autre, la nouvelle. Bon, à la limite que je refasse un truc à tourbe, quoi. Mais ça prend tellement de place. Je pense qu'il faut que je prenne 4 de tourbe, là. Tac, tac, tac.
J'aurai jamais assez de tours pour la suite du potager. J'ai l'impression de m'être coupé l'intérieur du nez, mais je comprends pas comment. Très étrange. J'ai l'impression. Ça me fait la même douleur dans le nez que si je me coupais pour me raser. Tac, la tourbe, nanana. Là, il y a quoi? Là, il y a ça ici. Voilà. Ça c'est mon alerte réveil. Mon alerte dodo. Bon, bah, on va faire des graines de merde. Hein. Top. Voilà. Je pense que c'est avec le super engrais que je peux récupérer des meilleures graines, mais j'en ai pas pour l'instant. On a pas mal de vin doré, hein. La journée elle a déjà commencé. En vrai, faudrait que j'aille directement dès que j'ai un cadavre de livré. Faudrait que ensuite, c'est vrai que je peux me passer d'un cadavre. Je peux éventuellement les cramer à la fin. Mais là, alors ma picrate. On a une belle bouteille de belle réserve. Hein. Et où mon miel là. C'est vrai qu'il y a l'histoire avec les vampires là, que j'ai pas exploré encore. Trop de trucs à faire. Vas-y, on va fabriquer du vin. Ah bah oui, j'ai principalement de l'argent. On va se faire une belle réserve. Je vais rajouter des étagères, il y aura que du vin dans la taverne. Ouais, c'est le truc qui se vend le mieux, donc. Hop, hop. Voilà. On va avoir quelques seaux d'or. Ah, pas tant que ça, hein, au final, des seaux d'or. Ouais, deux. Pas tant que ça. Un seau de raisin. Ouais, trois, voilà, ouais, trois. Trois, c'est tout. Trois, c'est pas énorme, hein. Pas énorme. Hop. 80% de chance. Est-ce que je tente ou pas? Pour éventuellement en faire plus. Vas-y, je tente. Avec un peu de chance. 80% de chance d'avoir de l'or. Ça me fera économiser. Ça me fera économiser comme ça. Hop. Miel. Hop, on part avec 32 miel. La pierre. On va faire une sieste. Et on va attendre le cadavre. Faut que je trouve des slimes orange pour faire de l'acide. Voilà, parfait. Timing, nickel. J'ai plus de palette réfrigérée, hein. Je crois que je suis dans la merde par rapport à ça. Ensuite, j'ai des palettes intéressantes, mais... Ouais, j'ai plus de palettes réfrigérées. Mes frigos sont pleins. Trop de cadavres qui squattent dans ma cave. Et il est pourri en plus. On extrait la graisse et basta. Prendre le corps. Hop. Sur la palette dégueulasse. On va prendre les crânes. Je crois que j'en ai besoin que de 10. Tac, tac, hop. On va augmenter le niveau de sacrifice de la zone, même si je sais pas à quoi ça sert encore. Je trouve que je suis en train de faire de la merde et je suis en train d'invoquer Cthulhu et ça va se retourner contre moi. Ça pourrait, hein. Le jeu a assez de rêves pour sortir un petit Cthulhu des familles à un moment. Hop. Alors on va finir la déco, crâne dans la colonne. Hop. Hop. Parfait. Je sais pas à quoi ça sert, mais la déco est là. Allez, let's go. Let's go le donjon. C'est bon, j'ai toutes mes armes là. Ouais, j'ai tout. Je suis bien. Oh, c'est des gelées bleues.
Ah putain, mais les gelées oranges, c'est dans tellement longtemps, je suis sûr. Ah, il m'enlève. Il commence à me enlever de la vie, hein, malgré mon armure, les bâtards. Oh, une potion de soin. La potion de soin, faut que je la garde pour la sorcière. Come to me, bitches. Come and. Come. Ouais, putain, ils m'ont enlevé masse de vie, hein. Ouvrir. Bof. Bon, les étagères, elles sont vides tout le temps. Ça, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Faudrait un coffre, quoi. La débroussailleuse. Gelée bleue. Attends, faudra que j'étudie ça. Ils me font mal, hein. Ils me font mal, les bâtards. Ah, ils m'enlèvent un petit moins 10, hein. Quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mine, ça. Ils m'ont enlevé masse de vie. Quand même que j'essaie de la jouer tactique parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi que c'est ça? Oh! Oh, de l'argent! Je prends. Vas-y, viens. Ouais, des clous en sangloté, bah les couilles. Ouais, c'est dès que je les touche, ils me font masse de dégâts. C'est MDR. L'explode bug. Que de la merde. C'est quoi ça? Ça, éventuellement détruire. En vrai, j'en ai pas besoin. Ça, je l'ai fait trop facilement, je m'en fous. Graines d'oignon, graines de citrouille, graines de betterave, je m'en bats les couilles. Graines de chou, je m'en bats les couilles. J'aimerais bien trouver une autre potion, en fait. Ça m'aiderait. Je gâche trop de miel, là. Ouais, sinon je pourrais que je parte avec un peu de picrate de bas niveau. Oh, y'a un coffre! Oh, ça sent la mimique, ça. Le mec trop méfiant. Un seau de sang. Ah, je m'en fous. Ça sert à rien, un seau de sang. Pas trop profond, s'il te plaît. Titre. pas trop profond, c'est quoi? Terminé niveau 5 du donjon. Ça va. Là, ce qu'il me faut, c'est de l'acide. Poudre de vie, poudre de chaos, poudre toxique, poudre de santé, poudre de mort, poudre d'ordre. D'ordre? J'en ai jamais vu, ça. Poudre d'accélération, ça, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, les ailes de chauve-souris, je m'en fous aussi. Salut papy, ça vient de chill. Comment on va, l'ami? Bienvenue. Ah, ouais, merci. Merci du sub, papy. Ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus à soutenir la chaîne. C'est en ce moment, je suis au top. Hein. Et ça tombe bien parce que j'ai un nouveau micro à acheter. comment va papy? Yes, ça va et toi? Ça va. Ça va, ça y est, on est en vacances officiellement là. Normalement, quoi qu'il se passe, quels que soient les mails qu'on reçoive des clients, tous les mails où on a envoyé du taf, on a fait... Voilà,
En tout cas, nous, pour résumer, dans les mails, c'est en mode oui, donc nous, on ferme les bureaux. Donc, quoi que vous ayez à nous faire faire, on n'est pas là, en fait. Voilà. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah ouais, ouais, niveau 5, ça rigole plus, en fait. C'est de la lave ! Je veux même pas savoir c'est quoi. Et il déconne plus, niveau 6. Ah, il va falloir que je la joue un peu plus tactique, que je fonce dans le tas et je laisse aller vers moi. Wouh ! Wouh ! Waouh, waouh, waouh. Good, ça, perso, j'ai un stream un peu tout à l'heure. J'ai streamé un peu tout à l'heure, pas de viewers, mais ça m'a fait plaisir. Tu streamais sur quoi, papy? Faut que j'apprenne à faire des potions. Je crois que je sais les faire, les potions, en plus. Putain, ah, j'ai plus de vie déjà. Ah, c'est la merde. Ils m'ont fumé, là. Vas-y, donnez-moi des potions, là. Ah, de la gelée bleue, c'est pas ce qui m'intéresse, en plus. Un peu de rank. Ranch Simulator avec ma compagne, puis Grounded avec ma compagne. Ah, Grounded. Et Grounded, vraiment, faut que je trouve des gens, des streamers avec qui jouer, parce que c'est... C'est vraiment un jeu que j'aimerais bien me faire. Au moins un pote streamer avec qui le faire. Il m'intéresse vraiment, vraiment pas mal, Grounded. J'ai pas de vie là. J'hésite à. Ouais, vas-y. Parce que j'ai envie d'aller jusqu'à geler orange, mais ça commence à être tricky en fait. Ouais, regarde-moi le rapace là. Détruire. Et Grounded, j'ai testé quand ils venaient de sortir. Et je pense qu'ils ont rajouté pas mal de trucs. Et je suis très curieux de voir s'ils ont vraiment fait vivre le jeu. Ou si c'est un scam. Super sympa, franchement, Grounded, très prenant. Je pense que je vais le faire solo si je trouve personne pour le faire. Mais ça a l'air. C'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Moi, wow! Ah ouais, ça détruit. Ils détruisent carrément les trucs. Je m'en bats les couilles du cadavre. Wouh! Un petit moins 5 là. Oh, une autre potion. Une autre potion, ça c'est bon ça. Ça va détruire. Putain, mais si je fais pas d'effort aussi. J'ai pas connu le départ, mais là on y rejoint, c'est super sympa. Il est toujours en anglais, résultat, Grounded. Saut de sang, j'en ai pas besoin, je peux le détruire. Il me refile des trucs de merde là, putain. Seul point négatif, mais je crois qu'il est assez simple. Non, je crois qu'il... Non, il se fait en français aussi. Non, je sais plus, j'ai regardé un stream, la personne que je regardais qui streamait Grounded jouait en anglais. Donc ça se trouve, c'était juste lui qui jouait en anglais, hein. Mais j'étais en mode, attends, c'est... Dernière nouvelle, je l'ai joué en français, moi. Donc j'ai un peu bugué devant ça. Ah, faut que je finisse au moins le niveau. Ah putain, il est en train de me dire, ouais, t'as plus d'en... Ah mais le truc de pute, et j'ai plus de miel, j'ai plus rien. Ah putain, c'est la merde. De ralentissement. Devinez. Ah ! Ah ! Plein de poudre. Vas-y, viens là. Viens. Perso, je joue en FR. Bon, on voit en VO uniquement. Bon, ça, je m'en fous, ça. Je suis très... Non, c'est juste les textes principaux qui m'intéressent en anglais, en français, quoi. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs dedans. Coucou, streamrunner. Wouh!
Bienvenue, on fait du Graveyard Keeper, on chill ce soir. Sur de la détente. Vous connaissez pas Graveyard Keeper. Est-ce que je peux le bloquer? Alors non, c'est bon, il a trouvé son pathfinding. Wouh! J'ai bientôt plus d'endu, je vais pas pouvoir le finir le niveau en fait. Ouais, je suis en train de me connecter à toutes les rounds de streamrunner là. Okay, j'ai que de la gelée bleue, ça me fait chier, ça veut dire qu'il va falloir peut-être que je crame mes oignons quoi. J'ai pas envie de cramer mon oignon. Il y avait un autre chemin là au sud là. Jamais j'ai assez d'endu pour finir le niveau. J'ai pas assez d'endu. Cassos. Utiliser. Je ne peux pas faire ça maintenant. Ah, ça veut dire qu'il faut que je retourne à l'entrée du début du. Ah là là. Commence à être tricky le donjon. Hein. Il me faudrait un meilleur équipement. Alors, résumons. J'ai toujours pas d'acide. Par contre, j'ai une potion. Donc, ça fait que je peux avancer dans la quête avec, avec mamie. Là. Par contre, elle me demande toujours un chaudron. Je sais toujours pas ce que je dois en faire de ce chaudron de merde. La fabrication de marbre, là, en plus, ça m'a niqué toute ma foi. Donc, je suis aussi dans la merde par rapport à ça. Là, je dois faire une sieste parce que j'ai plus d'endu. Je suis full de merde. Je suis full de poudre. La coke, voilà, tout ça. Gelée bleue, les graines, ça je dois déposer ça en haut. Hop, le vin. Ah, ça a marché une fois sur deux. On va dire que c'est. Si ça me le fait, au pire, j'en aurais fait autant que ce que je devrais. Hop. Je peux toujours tenter, pareil. Ouais, ça peut être plus économique de faire comme ça. On va aller déposer le cadavre quand même sur une palette là, parce qu'il doit être bien en train de pourrir. Bon, et vous, sinon, vous allez faire quoi pour les fêtes? Tout le monde va dans sa famille, vous faites un Noël chez vous. Est-ce que c'est vous, votre famille? Moi, je suis impatient de revoir mes grands-parents. J'espère que je n'aurai rien chopé d'ici là. Pour l'instant, ça, je pense que c'est cul, mais... Prendre le corps. Bof. De toute façon, je vais faire en sorte qu'ils pourrissent plus, les corps. Je suis full, là, un peu... Lui, on avait dit qu'on le cramait, hein. Prendre le corps. Lui, on le crame, hein. On est d'accord, vas-y, lui, on va le cramer, lui. On va le cramer. Putain, merde, j'ai un cadavre qui est en attente de... Merde, putain. Ah, là, je suis un mauvais fossoyeur. Il y a des cadavres qui sont en train de pourrir dehors, là. Ça pue la mort autour de chez moi. Les gens, ils se demandent, ils regardent à gauche, ils font, mais c'est un mec mort, là, sur le tas de bois. Ouais, faites pas attention, Mais il a pris la pluie, il pue un peu. Ouais. Faudrait que je vois ce qu'il peut moi me donner de la vie et me redonner de l'endu là. Parce que le miel c'est sympa. C'était sympa au début. Mais là ça devient trop risqué. Yes, un autre cadavre. C'est vrai que j'en ai pas assez qui sont en train de moisir. Yeah. On va en cramer 3, résultats sûrement. Faut que je me débarrasse de mes cadavres. Voilà. Mais je les garde pour mes expériences d'embonnement. Alors, il est comment, lui? Putain. Il est pas ouf. On va prendre la viande, non. On va prendre la viande, hop. Le corps. Il faut que j'aille faire la tourbe aussi. Ça dépend si je suis pas... Ah bah oui, putain. J'attends des nouvelles de ma collègue. Parce que résultat, elle, c'est pas sûr si elle l'a ou pas. C'est ça.
Son mec, c'est sûr. Bah, mais si son mec, ils vivent pas ensemble. Genre son mec là, mais ils vivent ensemble de base ou ils vivent pas ensemble? Prendre le corps. On les crame. Ils sont un peu moisis, on va les cramer. Hein. Petit bûcher là. Ah, j'ai tout cramé. Et puis ceux de la dernière fois aussi. Y'a plus rien. J'ai cramé tout le monde dans les jaules. Si, ils vivent ensemble. Ah ouais, y'a grande chance que. C'est un peu chaud quand même. Donc ça pue de ouf, ça pue de ouf. Ah putain, président, je suis désolé pour toi, copain. Ah, c'est dur. J'espère que ça va aller. Bah, en fait, au final, si elle l'a, toi, il faut juste que t'ailles faire un test PCR, quoi. Je crois qu'il faut attendre quelques jours, je suis pas sûr. Je sais pas comment ça marche. Y'a tout qui est bon, là. Y'a tout qui est bon, mais j'ai pas la tourbe. Donc on va laisser se moisir un peu comme ça là. Hop. Mais parce que j'ai pas la tourbe, donc ça me sert à rien. Attends, j'ai déposé quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait là? La tourbe. Graine. Hop. Ça faut que je le dépose en bas. J'ai du vin sur moi, on va aller en remettre un peu. Pas grave, je streamerai et ça me fera des vacances. Ouais, bah. Ouais. Ça va, tu relativises. Moi, je sais que ça m'avait. Moi, le Noël avec mes grands-parents, c'est ultra important pour moi. Moi, ça m'a foutu un coup déjà l'année dernière. Bon, on a passé un bon Noël quand même avec ma copine. Hein. On s'est offert des beaux cadeaux. Parce que je pense qu'on en avait besoin. J'ai des clous, je sais même pas à quoi ça me sert maintenant. Si un employé là, fermeture de l'escape. Ah là 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 là. Oh là là, c'est chaud, putain. Mais vraiment, genre, si vous l'isolez avant et que les autres les ont pas, vous êtes obligé de fermer. Même si vous pouvez. Y'a pas des équipes de décontamination totale. Décontamination totale et d'un. Ah putain, c'est chaud. Et vous êtes. Résultat, y'a une indemnisation quand même pour l'escape ou l'État vous laisse dans la merde. Non, je connais. Non, on connaît le gouvernement. Il vous laisse dans la merde. Et pendant elle, c'est notre période. Ah là 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 là. Éventuellement, c'est pas possible, genre vous engager une nouvelle équipe temporaire. Ensuite, ça doit vous coûter bonbon, mais je sais pas, je réfléchis à des conneries dans le genre. C'est con qu'il n'y ait pas de solution, c'est incroyable ça. Hop, on va faire des lingots d'or. Comme ça, plus tard, on pourra faire des bijoux, lingots d'argent, quelques lingots d'argent aussi. Hop, tac. C'est la lune donc qui me demande de l'acide encore, putain. On va aller voir, on va faire un tour à nos commerces là. Aucune idée, on va se renseigner, putain, j'espère que ça va aller pour vous. Alors en vrai, faudra trop qu'on... ça coûte cher un escape game, résultat je me suis jamais trop renseigné. Et vous avez quoi, c'est quoi vos thématiques? Je m'en renseigne parce que... Alors attends, ça c'est... Non, c'est... Ouais, en vrai, je peux passer par là aussi. Je m'en renseigne. C'est vrai que nous, un petit team building, ça pourrait être pas mal en escape. Oh, petit 47 de thunes. Je vais ramener toute ma boîte. Je vais ramener ma boîte à ton escape. Au pire. En vrai, Poitiers, c'est pas loin. Bah, avec quoi que Poitiers... Je sais pas combien de temps ça met... Un peu loin pour faire un escape. L'escape, c'est entre 20 et 30 euros par personne. Quelle que soit la taille du groupe. Oh, au final, ce qui coûte, c'est le rangement. À skip, c'est un enfer hein, après gérer un escape. Hey, première étoile, ma gueule. Les gens, ils kiffent. Je sais pas c'est quoi, ça. Connexion, à bientôt. Petite pièce d'or là?
Ah ouais, ouais, on est humble. Ah oh, putain, il y a plus de caisse. Ah faut que je voir que je fasse des ouais ouais ouais. Ah, en vrai, va falloir que je fasse ouais, putain merde. Ah, il me faudra un zombie cuistot, il me faudra un zombie en fait. Et ça coûte de la foi les zombies. Si je veux faire des trucs en marbre, plus t'es nombreux, moins c'est cher. Ouais, forcément, c'est logique. Bon, résultat, on est dans la merde. Fuis d'embonnement. Bon, on va aller voir la sorcière. Attends, j'ai fait quoi de mon... J'ai pas récupéré une potion, un moment ? Si, j'ai récupéré une potion. Hein. On va aller au camp de réfugiés. On va faire la route du miel parce que là j'ai vidé mes stocks de miel avec ce donjon de mort. Hein. Et on a 3 scénars, bunker, militaire, commissariat et hôpital psychiatrique. Bah ça fait 4. Ah, bunker militaire. C'est un seul mot. Enfin c'est un seul mot, c'est un seul thématique. Moi j'ai cru qu'il y avait une virgule. Un bunker, un militaire, un scénar bunker, militaire et commissariat et... Bah ouais, je suis à l'ouest. Petite route du miel là, hop. Je pourrais leur faire une ruche éventuellement. Bon, et résultat, la sorcière, je sais toujours pas comment faire le chaudron là, ça me casse les couilles. C'est bizarre que je puisse, y a rien. Normalement, ça devrait être à l'enclume, mais y a que dalle. Alors, t'as check un peu les extensions de House Flipper. Il y a tout qui est en promo. En vrai, si j'avais eu un... J'ai vu que les retours étaient moyens sur celui VR. Je pense que... Je sais pas pourquoi. J'ai pas vu les tests. Mais je sais que c'est un jeu... Résultat, c'est des actions très différentes quand même. Non, je n'ai pas check encore. En vrai, les extensions sont sympas. Hein. Les extensions notamment Garden qui est très cool. Hop. Il y a un cadavre à la maison. Pourtant je suis en train d'y jouer en ce moment même. Ah c'est assez genre de jeu, c'est très satisfaisant. Hein. Ouais, House Builder aussi c'était pas mal dans les tests qu'on avait fait. Hein. Mais j'ai trop de jeux. Faut que je finisse mes tests, comme ça je pourrais faire plusieurs jeux en même temps. Là actuellement deux jeux. Sekiro, Graveyard Keeper, c'est le max que je puisse faire. Donc Graveyard Keeper encore ça peut être un fil rouge très long hein, mais Attends c'est mes traces de pas ou il y a quelqu'un qui est rentré dans ma morgue là. Il y avait des. Non c'est mes traces de pas, on est d'accord. Alors, autopsie, de la merde, pas grand chose de ouf. En vrai, il peut attendre sur une palette, lui. Je vais le cramer. Je vais prendre la viande et je vais le cramer. Prendre le corps, hop. Let's go le cramer. Crémation, paf, paf. 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 Je récupère même pas ces merdes là. Ah, résultat, je suis à 3. Hein. Eh, ça monte l'or au final là. C'est pas bon, c'est pas mal. Par contre, résultat, faudrait que je reprenne du. Alors, attendez. Faut pas que je m'égare. Donc, il faut que je refasse de la tourbe. Ça, faut que je refasse de la tourbe de ouf, sinon je peux rien replanter. Là, on est tel jour, on est la lune. Résultat. Tout ce qui est intéressant, c'est... Y a rien, j'ai rien à faire, c'était de l'acide qu'il me fallait. Là, j'ai pris des trucs sur moi qui me servent à rien. Faudrait que je fasse des bougies avant d'aller me coucher. Hop, on va déposer le sang. On va prendre la viande sur moi, comme ça je le dépose à la maison. Les abeilles, éventuellement. Ah oui, c'était... Ah putain, là, je suis en train de faire plein de trucs, mais j'ai d'autres trucs à faire. Ah, ça y est, on passe la nuit. Hop. Les bougies. Les bougies, je peux en faire pas mal. Je peux en faire quelques-unes. Tac, tac, tac.
pour faire 16, c'est déjà bien. Faudrait que je regarde pour faire la peinture parce que là, la graisse, ça devient plus rentable en fait. Voilà, hop, ça, bat les couilles. Hop, la viande, on va déposer ça. Ah, putain, 235 le cimetière, hein. En vrai, ouais, je suis content. Là, on est tellement plus loin que toute la run que j'ai fait quasiment. C'est pas que j'ai abandonné, hein, c'est juste que à chaque fois, j'avais lâché un peu et j'étais perdu quand je reprenais. Là, je suis tellement à fond. Ok, j'ai du miel, j'ai du... Est-ce que je peux aller voir la sorcière fort de la montagne, grande réfugiée, crâne qui parle, carrière phare? Ouais, non, bof. Faut que j'y aille à pied. On va aller voir la sorcière. Faut que je me trouve une recette pour avoir des trucs qui me redonnent de la vie, là, parce que le mien, c'est vraiment... c'est un sneakers, quoi. Ils auraient dû nous donner la possibilité de pouvoir réparer un peu mieux le pont parce que c'est vraiment... On a fait une réparation. Pourquoi il y a du bois ici? J'ai coupé un truc ici? What the fuck? Le résultat, il fait pas jour. Alors attendez, je vais regarder un truc. Cold one. Alors, ok. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que si je donne la potion, c'est bon. Allez mamie, on t'attend. Allez mamie. Mamie, dépêche-toi, putain. C'est vraiment, tu fais le pied de grue devant la grand-mère, à peine un stalker, quoi. Attendez deux secondes, hop, je désactive la correction colorimétrique sur Graveyard, ouais, voilà. Oh là là, putain. Cover. Allô, Babi. Eh, ça se trouve, elle sort pas le dimanche. C'est chelou, là, elle sort pas. Ah, putain. Voilà. Lui donner la potion de soi. Ça n'a pas le... Ça va la mer, essayons. Oh, attends, je me souviens. Je suis Cloto. Et je me souviens d'où j'ai caché mon chaudron. Ok, je suis de nouveau ma belle. Alors, qu'attendez-vous de la vieille Cloto? Êtes-moi promis, vous savez, de la marchandise comme ça, ça ne court pas les rues tous les jours. Ok. J'ai besoin de votre aide. Commercez, fais voir, tu me vends quoi, toi? Oh, tu me vends de l'acide directement? Ah ouais, mais 5 pièces. Pommes d'or? Jeune plante buisson. Oh, c'est toi qui vends les plantes pommiers de buisson à baie. Oh. Oh. Poudre électrique. Grenouille. Eh putain, les grenouilles, j'en avais besoin pour quelque chose, mais je sais plus pourquoi. De l'alcool. De l'huile. Potion d'énergie. Potion de soie. Potion de soin. Ah, potion de soin, c'est pas cher. Solution balsamique. Pardon. Solution balsamique. Élixir d'or. Mais putain, mais avant, trop de trucs. Potion de vitesse, potion de rage. Plus de dégâts aux monstres. Potion de digestion. La nourriture, pour plus d'énergie. Putain, avant tout, j'ai un peu de thunes. J'ai envie de la dépenser presque. Recette d'alchimie. Oh, recette. Oh bah oui. Attends, j'ai envie de tester ça.
Recette d'alchimie utilisée. Recette peinture marron. T'es sérieux là? C'est juste pour faire de la peinture marron. Tu te fous de ma gueule. C'est une arnaque. Remboursé. Potion de soin, 10. En vrai, ça fait 5 pièces d'argent les 10. Ça va. À défaut de... 7,95. Attends, quoi? Attends, quoi? Attends. L'unité, c'est 50. On est d'accord. Elle augmente le prix à chaque fois que j'en prends une. Ah putain, c'est une... Ah, c'est arnaque. Ah ouais, là. Ah ouais, mais elles sont dures, les affaires. Poudre électrique, colle. De l'acide, ça pourrait être pas mal pour tester. En vrai, j'ai envie de prendre trop de trucs. Les pommiers, je sens que ça peut être rentable. Pommiers, jeune plant de pommiers. Je vais en prendre deux. Je sais pas s'il m'en faut... 1, 2, 3, 4. Je vais en prendre 4 au cas où. 4, 8, 25. Ah ouais, putain, à me prendre la thune hein, quand même. À me prendre la thune. Alors, j'ai besoin de votre aide. Je dois aider un marchand. Il m'a dit qu'il vous connaissait bien, lui et le prêtre, vous achetez souvent des potions d'amour. Oh, je m'en souviens, il était adorable, il était frère, je me souviens bien. Alors, que puis-je faire pour vous? Pour lui. Il a mangé de l'herbe à hockey et il a perdu le sens du goût. Il croit qu'il est victime d'une malédiction. Nouvel enfant du ciel. Et merci du follow, Ranatra. Comment on va? Ça ressemble à une malédiction qui aurait été jetée par une autre sorcière. Ce ne serait pas très professionnel de ma part de l'aider. Autrefois, il nous arrivait d'apporter notre aide dans ce genre de situation, mais cela a fini par entraîner un effondrement du marché. Pardon. Du coup, maintenant, c'est interdit. La sorcière qui m'a lancé cette malédiction pourrait contacter une potion pour lui mirer. Il n'y a rien à faire pour lui, donc. Je vous ai expliqué les bases, vous n'êtes pas sorcier. Et quoi, déjà le mot pour définir ce que vous êtes? Chimiste. Ah, un chimiste. Voilà, vous devriez pouvoir bricoler une potion. Je peux vous donner la recette. Il suffit de mélanger du sel avec une solution de santé. Oh, je crois que j'ai ça. Sel et solution de santé. Recette épice. Ok, j'ai besoin de votre aide. Je dois... Solution de santé, sel et solution de santé. Je crois que je peux. Alors j'ai du sel et je crois que j'ai de la solution de santé. Comment va Ranatra? Oh, 600e follower, incroyable! Est-ce que Twitch va me faire unfollow auto des gens pour que j'ai perdu mon 600e follower? Ou est-ce que maintenant que j'ai passé un cop, il va pas me le retirer? Ok, sel et solution de... Ah putain, attendez, ça c'est vrai, j'ai ma messe à faire. 600 follow, incroyable, je suis trop content. Enfin, finally. Non, parce que là, j'ai eu 10 follow en une semaine, mais ils voulaient pas dépasser les 698. Parce qu'à chaque fois que j'ai 2 follow, ils m'en enlèvent 3. Twitch, vraiment, ils sont... Leur truc est pas clair. Hein. Leur bot anti-bot est pas clair. Voilà, allez, c'est parti pour la messe. Normalement, ça me donne un peu d'argent. Bon, c'est pas autant que la taverne, mais c'est pas mal, normal. Bienvenue, mes chers frères. Non, je retire cette voix. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse, et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, vous. À présent, prions pour cette bénédiction. Donnez votre pognon. Pognon. Amen. Tous vos noms sont les bienvenus, n'oubliez pas, en partant sur la gauche, de donner une petite pièce pour améliorer la qualité de l'église, bien sûr. Audio. Très bien. Bon modificateur de voix. Touloulout. Ah, 14 de fois, ça fait plaisir. Petit 14 de pièces, hein. Bon, ça me rembourse tout ce que je viens de payer à l'autre, là. En vrai, là, maintenant, j'ai des potions de soins. J'ai plein de trucs. Ça, non. Ça, je m'en fous. Alors, du sel... Du sel et un potion de élixir de... Non, c'est de l'extrait de vie. Attends, elle a dit du sel et de l'extrait de soin.
l'extrait de santé ou de la poudre de santé? Putain, j'ai oublié. Je la déteste. C'est les épices, du sel et une solution de santé. Et de la poudre de santé, j'en ai. Donc, broyeur alchimique, je dirais qu'il faudrait que je... Truc visqueux de santé. Non, pas là. Peut-être dans le mélangeur. Solution de santé. Comment je fais de la solution de santé? Ah mais il me faut des trucs visqueux de santé à chaque fois. Qu'est-ce que je... Putain. Alors, je suis désolé au wiki, hein, parce que les recherches, ça me saoule de gâcher. Ils solution. Des carottes. Ou... Ah bah putain. Easy. En vrai, j'ai l'impression que tous les légumes ramènent des trucs. Des carottes ou je vous laisse deviner. Du chou. Et du chou, j'en ai à foison. Ah, faut que je regarde l'engrais aussi. Je sais pas ce qu'il me faut pour l'engrais. On va regarder ça rapidement. L'engrais, je crois, il me faut de l'acide. Un truc du genre. L'engrais, c'est ouf. Engrais de qualité, il me faut du stimulateur de croissance ou de l'élixir d'énergie. Voilà, l'alchimie, putain. Stimulateur de croissance. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Non, c'est pas là-dedans. C'est là-bas, c'est ici. Ah ouais, mais le chou, je l'ai pas analysé. Donc il va me dire, non, tu ne fais rien. Donc il faut que j'analyse le chou, là. Putain. Ouais, yep. Yeah. Poudre et fluide. Alors, je crois, mélangeur à main, je crois que... Alors, est-ce que c'est dans le mélangeur à main? Solution de santé. Ok, ça m'en fait deux, ça va, c'est tranquille. Je me doute que la solution de santé, ça me permet de faire des potions, sûrement. Donc j'ai acheté des trucs qui sont inutiles, quoi. Ok, j'en ai fait pas mal. Alors, j'ai pas mon sel. Mon sel, il est en haut. Mais c'est bizarre, j'étais sûr d'avoir de la solution de santé. Ah mais mon sel, il est même pas en haut, en fait. Mon sel, il est avec les cadavres. Tous ces points qui m'attendent, là. Vas-y, burn. Hop. Moi, j'attends qu'il crame, hein. Ça, c'est Madame Charme. Madame Charme, je suis bloqué. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Sel, hop. Je sais pas à quoi servent les épices, par contre. Jus de zombie. Alors, si je mets une solution de santé. Poudre de santé. Ah non, j'ai de la... Si je mets de la poudre de santé avec une solution de santé, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que j'obtiens un truc? Truc visqueux de vie, yes. Si je mets de la poudre de santé avec du sang, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens de la merde. Ah, j'obtiens... Ah, d'accord. Ok. Si je mets... Je peux pas mettre de solution de santé là-dedans. Ah, putain. Je peux pas mettre de solution de santé là-dedans? Si je mets du sang avec une solution de santé... Et un extrait de vie. Je tente des trucs, je tente des expériences. Putain, ça... Ah ouais, le triple alchimie. De la merde! Alcool de trucs visqueux. Ça veut dire... Hey, t'es presque arrivé à quelque chose.
Putain, c'est pour ça l'alchimie, ça me saoule. Si je fais... C'est parce que l'alchimie, tu dois tester plein de compos et en plus, ça te dit que les bonnes. Peinture noire. Alors peinture marron, il faut quoi? De l'huile et de la poudre de ralentissement. Ça n'a aucun sens. Si je mets du sang avec une solution de santé juste. À bientôt, streamer. Putain, comment on fait une potion? Comment on fait des potions, putain? Technologie. Non, mais en plus, t'as pas la recette là-dedans. Heal potion, c'est de la poudre de vie et une solution de santé. Ou de la poudre de santé et de la solution de chaos. Ah putain. Poudre de santé et solution de chaos, mais j'ai de la solution de chaos. Poudre de santé et de la solution de chaos. Poudre de santé et de la solution de chaos. Et donc normalement ça me fait une potion. Nickel. Bien ça, c'est cool. Ok, je suis prêt à aller affronter le donjon, résultat. On va déposer mes merdes là, personnage. Ah, j'ai trop de... Tout ça, ça m'est inutile quoi. Tac, tac, tac. Les cendres, j'en ai trop. Hop, une histoire, baleinois. Ah ouais, putain, attends, j'ai les pommiers aussi à m'occuper. Ah, il faut que je relance de la tourbe. Ouais, toujours un truc à faire. Hein. Alors, ça y est, je peux faire mes premiers pommiers. Emplacement pour me... Ah putain, il me faut de la tourbe en plus. Oh là 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 là. C'est la ressource... Je crois que c'est une des ressources les plus chiantes à faire au final, la tourbe. Tac. Non, ça va pas là-dedans. Ça va là-dedans. Oh, je peux l'abattre, lui? Ah bah c'est... Bon, c'est un peu moins classe, mais... Emplacement pour le buisson à... Emplacement pour le buisson à machin, je sais pas, hop. Voilà. Emplacement pour le pommier. Emplacement pour le buisson, hop. Là, ce qui va me manquer, au final, c'est des petits bouts de bois. C'est très chiant à boire. On se souvient. Hop. Et suce un cul qui débarque. Merci du raid. Comment va, l'ami? Ça faisait quoi de beau? Emplacement pour pommier. Je peux en faire deux encore. Ouais, voilà, j'ai plus de bout de bois. Et j'ai plus de bois. Et j'ai plus de tourbe. Bon, bah, nique-moi. Hein. Coucou la patate. Avec du sel. Hein. Et bah, paf. Comment ça va, mon poulet? Bah, ça va, et toi? Sur du Isaac, ça s'est bien passé? Ça fait de quoi? Tu X quoi? T'es sur le 100% en ce moment? Je te ramène la crème de la crème. Ah, ça fait plaisir. Eh bah, bienvenue à tous. Ici, comme on peut voir, je fais du jeu indé. Je pense que ça se voit. Ce pseudo tellement cool. Sus un cul. Ouais, sus. Non, sus un cul, c'est mieux quand même. Alors que si on essaie de le... 5Q. Sinon, ça peut être 5Q. Ouais, non, c'est pareil, c'est... En fait, quelle que soit la manière dont tu le découpes, il y aura toujours un truc. Mais j'ai pas fait une seule run ce soir. T'as pas fini une seule run? Ouais, il y a sus, soit sus, soit 5Q, soit Q. Ouais, non, sus 5Q, c'est très bien. Oh, pour toi, on va dire sus. Putain. Le pire. T'as pas fait une seule run? T'as joué combien de temps? Allez, des soirs comme ça. Putain, j'ai trop de trucs. Attends, alors. Alors là, il me faut juste des petits bouts de bois. Alors moi, j'ai fait un jeu en mode j'ai pas compris la fin. Enfin si, mais tiré par les cheveux la fin, donc un peu saoulé. 2 heures, mais j'ai fait de la chiasse en paquet. Ah, t'étais trop concentré sur ton chat, c'est pour ça. Trop mignon ce petit jeu.
Alors pour ceux qui connaissent pas, ce jeu c'est Graveyard Keeper. C'est Stardew Valley avec des cadavres et une église. c'est comme ça, c'est... et des meilleurs graphismes aussi. Ouais, comme ça, j'aime bien tacler les gens qui aiment Stardew. Bah ouais, mais c'est Eagle qui me dit de la merde. Ah, faut pas regarder les chats quand tu rentres dans une salle. Hein. Ah, mais j'en ai là, je galère à choper des bouts de bois alors que j'en ai ici, quoi. Ah non, mais dans tous les cas, il me manque de la tourbe. Putain, j'en ai marre. Il me faut 6 de tourbe pour faire tous mes pommiers, au final. 6 de tourbe. Ah, mais c'est la crise, 6 de tourbe, quoi. Mais je suis mignon, moi. j'ai rien dit, hein. Débrouillez-vous. Moi, je ne doute pas, hein. Tu viens d'arriver, donc je vais pas dire que t'es un connard, hein, ça c'est sûr. Je cherche des excuses. Ouais, puis... Mais non. Mais c'est parce que... Puis ta manette, elle était pas bien aussi. Elle était mal chargée. La connexion sans fil marchait pas. Et même s'il y a un fil, c'est parce que le fil, en fait, il y a un faux contact. Donc, ça crée une petite latence, des fois. Tourbe, c'est un tout petit village dans le sud de la France. Ouais, Garce, les Gonaises aussi. Et Bourg-le-Péage. Ou Bourg-la-Reine. C'est un petit... Dans Garce-les-Gonais, c'est plutôt Île-de-France et Bourg... Et t'as Bourg-la-Reine qui est dans le sud de la France aussi. Troussing. Ah mais comment tu sais? je suis un devin. Hein. Moi aussi, j'ai les mêmes problèmes. J'ai les mêmes problèmes quand je joue à certains jeux. Genre quand je joue à Sekiro. J'aime ce village. Suce un cul à Bourg-la-Reine. Tout est dit, tout est fait. Rien ne veut plus. À côté de Pézenas. Ouais. Mais en vrai, on a des noms de bled. On a des noms de bled en France. C'est n'importe quoi. Ça, je m'en fous, ça. Ça, je m'en bats les noix. Donc ça, c'est ma morgue, hein, pour ceux qui débarquent. Hein. Ça, c'est mon établi d'alchimie. Et donc ouais, Graveyard Keeper, c'est du chill, c'est du farm. Hein, c'est pas de l'action. À chaque fois, il me raide quand je suis sur Graveyard Keeper. Près de chez moi, il y a Aïe comme village. Ouille. Ces noms de village, putain. Ça doit être dur de vivre dans un village où il n'y a rien qui... Ça, faut que je m'en débarrasse. Les épices, ça, je garde. Les cendres de cadavres, ça, je les garde. Ah, ça se dit Aïe. J'étais à sec en vacances. Les pires noms de village. Ah, t'es parti où en vacances? Je suis parti à Sex. Ah! C'est un club libertin? Non, c'est une petite bourgade. Tout ce qu'il y a de plus normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais. Hein? Certificat d'animation. Les abeilles, je peux m'en débarrasser. Les steaks, je peux m'en débarrasser. Et donc, à la différence de Stardew Valley, par contre, il y a une histoire. Le but, c'est de rentrer dans notre monde. Parce qu'en fait, c'est un isekai. Pour ceux qui connaissent le terme. Et là, on essaie... Alors, attendez, résultat, je suis perturbé. J'ai fait... Allez, je vais me faire une liste de ces noms de villages. Ah, faut faire du GeoGuessr. Et après, tu fais du GeoGuessr France. Une tier liste trop bien. Liste des... Il y a eu une tier liste des départements, déjà. Mais une tier liste des pires noms de villages. Et franchement, il y a un truc à creuser. Tu visites le village en allant sur Google Street et tout. Putain, jus de zombie. Et je tourne en rond. Donc ouais, je disais, sinon moi je fais beaucoup de jeux indés, et puis de temps en temps je fais des longs plays sur des gros jeux, ça dépend des gros jeux. En ce moment on tourne sur deux jeux en long play, Graveyard Keeper et Sekiro. Bon, je fais ça principalement le soir, je fais aussi une matinale où je regarde des dessins animés avec un collègue de YouTube. Et autre présentation, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on fait beaucoup de tests de jeux indés parce que je reçois pas mal de clés des jeux. Voilà, c'est un peu comme si vous connaissez Speed Tixi, vu que Susanku est le collègue. On a à peu près les mêmes bails. Enfin, lui, il fait du speedrun en plus. Moi, je ne speedrun pas. Mon jus de zombie, ça, je le range. Mes épices, j'en ai pas besoin. Mes petits bâtons, faut que je les range. C'est qui? tiens, allez voir, ouais, ceux qui sont dans le chat, allez voir Suce1Q, hein, SO, parce que je suis Suce1Q, attendez, comment ça s'écrit,
sus un Q. SO sus un Q. Merde, ça ne marche pas. SO. Merde. Ma commande ne marche pas. Sus un Q. SO sus un Q. Ah bah non, c'est pas ça. C'est. C'est. SO. SO. SO prof chain. SO sus un Q. Voilà. En majuscule. Oui, c'est vrai. Ouais, bah oui, j'ai fait plein de commandes. C'est moi qui ai fait rencontrer. Ah d'accord, ok, ouais, je connais pas les bails, moi, je connais pas les bails. Je suis en train de perdre mon rendu, là, parce que je suis un connard qui a pas fait de sieste depuis je sais pas combien de temps, yes. Alors, j'ai quoi à faire, là? J'ai lancé les pommiers. Ça, c'est le jour du marchand, je crois. Est-ce que c'est le jour du marchand, lui? Le marchand, ouais, c'est le jour du marchand. Donc faut qu'on aille voir le marchand parce qu'on a une solution pour son sortilège de mort là. Non, tac tac. Tu peux le faire et depuis c'est l'amour. Le grand amour. Comment ne pas résister à cet incroyable chauve. Bon, je vais y aller. Vas-y, suis un cube. Bah, merci du raid, merci d'être passé, merci d'être resté un peu et à la prochaine copain. Faut qu'on se trouve un jeu à se faire avec toi et Tixi, puis ensuite qu'on se boive un coup. Je me conseille car je tombe de fatigue. Ah bah, en plus t'as joué 2 heures ou t'as souffert sur Binding of Isaac, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu te sois fatigué. En plus ta manette. Je t'ai vu voir déjà, j'ai pas fait ça. Paf, ça a fait tournoi de Isaac. Ah d'accord, ok. C'est de là d'où tout a commencé, d'un tournoi de Isaac. Ah d'accord. Bon vieux sus. Ce nom, putain. Voilà. Tu sais que des. Si j'avais pas le meilleur pseudo du Twitch français, je dirais que c'est toi qui as le meilleur pseudo du Twitch français. Hein. Alors non. Allez, les viewers qui essaient d'arranger et tout. En gros, Eagle m'a fait rencontrer Tixi. D'accord. Il t'a pas fait rien. Mais, ah, vas-y, viens. Viens comme viewer. Passe de l'autre côté de la barrière. Pourquoi y'a rien là? Pourquoi y'a rien? Pourquoi y'a rien? Pourquoi y'a rien? Ah putain, j'ai rien à... Ah là là, l'argent. Et genre, j'ai call Tixi en privé et je lui ai dit... Pourquoi je sens qu'il y a une connerie qui va sortir d'un coup. Mec, je veux faire un... Ah d'accord, ok. J'ai senti un truc du jour. Mec, je veux faire une partouze. Non, il n'y en a pas. Ah, je sais pas, mais des fois avec toi... Hein. Avec Tixi, hein. Et ben paf, 6 mois environ, moi j'ai pas dit de la merde. Putain, en 6 mois environ. Ah ouais, d'accord, ok, il a traîné le pied et tout. Il l'a rencontré, puis 6 mois après, il fait « Ah viens, on fait un tournoi de Isaac. » En vrai, un jour, moi je suis trop mauvais pour faire... Ah ouais, vous faites ça sur des seeds et tout, je crois qu'on en avait parlé rapidement avec Tixi quand on allait boire une bière. Là. Pourquoi il me faut des... Ah ouais, il me fallait de la tourbe. Faut que je fasse les trucs en prio, là. Ah, le chambre, je m'en fous, ça me sert à rien. Il me faut les oignons, les conneries du genre. On a enfin trouvé une date. Enfin, entre 1 et 6 mois, je ne sais plus. Non, le tournoi, on en a chié à le faire. Enfin, on a trouvé une date et on a directement accroché. Ah. On a parlé de ce tournoi plusieurs fois. Ouais, tournoi d'Isaac, j'ai jamais vu de tournoi d'Isaac, mais de ce que j'ai compris, vous avez des listes de choses à faire, et c'est le premier à atteindre un objectif. Petit chauve et barbu, grand chevelu, hein, merde. Mec, t'as pas beaucoup de barbe, toi. Hein. La fusion. Fusion entre toi et Tixi. Ça doit ressembler à quelque chose. Y a plein de merde, là. Faudrait que je... Bon, maintenant, faut que je mette tout dans la caisse, là. Vas-y, vite. Caisse de légumes, allez, paf. Caisse de légumes, paf. Je peux en faire qu'une. Caisse de légumes, paf. Hop, ça c'est bon. On en envoie 3. Et c'est parti. Bon, vas-y. Bah, en gros, on part sur la même seed et le premier qui finit à gagner. D'accord, ok. Ouais, donc t'as pas besoin d'une save. Vous sélectionnez le perso quand même. Ouais, vas-y, file. On en reparlera.
On en reparlera quand on se verra pour boire une bière. Bonne nuit, suis un coup, merci du raid. Hop. Tac, les graines là. Attends, j'ai mis des graines ici, je suis un connard. Là, je vais mettre ça. Il me faut ça, ça. Les graines ici. On peut faire la même chose que dans Stardew. Hein. Je suis à peu près bon. Il y a juste les asticots qui me servent à rien. Faudrait que je regarde à quoi ça me sert sur le long terme. Bon, je replante tout mon potager en attendant. Ah, on va me livrer un cadavre, j'aurais pas fini mon potager. Le perso était tiré aléatoirement, mais les deux candidats jouent le même perso sur la même seed. D'accord, ok. Ouais, donc si t'as pas débloqué tous les persos, tu peux pas vraiment participer. Non, j'ai pas le temps. Hop. Lui, on va le refaire. Non, non. Hop. On va le refaire faire du blé. Désolé, je fais ça rapidement parce que ça me rapporte du pognon à chaque fois. Hop. Hop. Et anti. Faut que je fasse du super engrais à un moment. T'es obligé d'avoir une save à 100%. Ah, t'es obligé d'avoir une save ou t'as... Mais 100%, c'est chaud maintenant avec repentance. Résultat, vous pouvez plus... C'est plus possible de faire un tournoi parce que même Tixi, il a plus une save à 100%. Vas-y. Vas-y, explique mon aigle corbeau. Mais du coup, on dit... T'es obligé... Sinon, les seeds ne sont pas les mêmes. Tu peux télécharger une save pour ça, mais tu ne peux pas avoir les mêmes saves si tu n'as pas débloqué les... Ah mais oui, bah oui, je comprends. Je comprends, c'est logique. C'est logique. Ça j'en ai pas besoin. Hop, le chanvre. Attends, j'ai rien pris du chanvre là. Y a plus de vin qui tourne là. Y a plus de vinasse qui est faite. J'ai même pas lancé la vinasse. Putain, je me déteste. D'accord, ok, bah c'est logique alors. Non, parce que je me disais, putain, une save à 100%, c'est chaud là. Repentance complique un peu le truc quoi. Ah, mais résultat, j'ai pas vu le marchand. Ah, et comme il y a serpent, c'est en train de me dire, ah, t'as loupé le marchand, va crever. Putain, mais quel débile. Vas-y. Ah, il est déjà parti. Mais non, j'avais ça. Je vais avancer dans la quête, mais je sais rien, je suis de tense. Photo de chat, hein, ça. Ok, les épices, elles sont là. Les certificats d'animation, on va les rendre. On l'a fait sur Afterbirth. Repentance n'était pas encore là. Oui, bah je me doute, parce que Repentance, résultat, il est pas là depuis longtemps. Hein. Je sais que le tournoi date quand même de quelques temps. Je me casse le cul à marcher, je sais pas pourquoi, j'utilise à peine la téléportation. Toulou. Commercer, hop, on lui vend mes certificats. Hop. Ah ouais, lui, il voulait plus me... La poisse, pas aujourd'hui. Ah ouais, mais lui, il faut que je vienne le voir tous les jours si je veux avancer dans la quête, en fait. J'avais oublié ce petit truc à la con. Alors voyons comment on finance de la taverne. Petit 38, ouais, shop de bière. Ouais, ça se vend pas de ouf, hein. Pas ouf. Ah, mais on a plus de vin. Attends, on a plus que des burgers. Et on a plus de vin. Ah, merde. Il y a un Twitch Rival, Speedrun, Isaac, FR, il y a peu... Ouais, j'ai vu. Le 100% était aussi obligatoire. D'accord, ok. Ouais, si tu peux choper une save, ça va. C'était MV qui castait, il n'y avait pas un bail dans le genre si je me souviens. Bon, faut leur ramener du vin encore aux connards là. Oui.
Faut que je leur ramène du vin. Serpent, il me sert à rien là actuellement. Viande tranchée crue, bof. Bof. Choucroute. Est-ce que je peux faire autre chose que de la choucroute? Salade de légumes. Choucroute. Choucroute, il me faut des carottes et de la salade. Et du sel. Carottes, salade. Let's go faire un maximum de choucroute. ...29 choucroute, c'est parti. C'était tendu, il y avait vraiment eu de belles runs. D'accord. Là, je suis bon pour... Vas-y, je vais refaire une sieste. Hop. C'est Shiseyu qui a gagné. Ouais, Shiseyu, c'est pas un des meilleurs du... Un des meilleurs à Isaac, de ce que je me souviens. C'est pas genre le mec... c'est pas comme dans le... C'est pas comme le père de Baki, un peu, Shiseyu, par rapport à Isaac. Quand tu le vois arriver dans un tournoi, tu fais « Ah, c'est foutu. » En vrai. Coupe ma cam un instant. Le temps que je fasse ma soucoute. Ok, on va leur amener de la vidasse et de la choucroute, ils vont kiffer. Zéro. Ouais, dans ma taverne, bon, on sert que du vin de top qualité et de la choucroute basse qualité. Hein. C'est un mélange étrange, mais ça marche. Je passe les journées assez vite. Pour vite que les ventes se fassent. Non, mon cadavre, il va être pourri. Faut de la bière normalement avec de la choucroute. Y'a de la bière, y'a de la bière, mais bon, c'est pas ce qu'il rapporte. Y'a de la bière, hein. C'est juste qu'il la consomme pas. C'est ça le problème. Ils en veulent pas. Je mettrai 2 étoiles sur 5. Ah, attends, t'as pas goûté le vin. Il a un petit goût de fraise. Le vin a un petit goût de fraise, quand même, ça vaut le détour. Est-ce que les arbres, une fois que je les ai... Attends, mais c'est des buissons de bec. C'est pas des buissons à bec, j'ai... Ah putain, y'a deux cadavres en train de pourrir. Ah merde. Bon, il est très fort en streaking. Le speedrun, c'est pas vraiment son truc. D'accord. Oui, streaking, c'est avec Eden. Là, c'est l'enchaînement de win. Ouais, il prend son, il a plus tendance à prendre son temps quand il fait ce genre de choses, quoi. Des cadavres pourris, ça va, on prend tout et on... Hop, et on va brûler le corps. Hop. Je vais jamais aller dans le donjon, putain. De l'acide, mais j'ai pas envie d'utiliser mes oignons pour j'ai l'impression que c'est pour faire de l'acide, quoi. C'est ça qui me casse les couilles. Ah merde, j'ai cramé le cadavre sans prendre des trucs dessus, mais putain, mais quel con. Oh là là, le gâchis. Ah mais quel connard. Ah putain, je suis un connard. Je me suis saoulé. Ouais, je parle, j'ai posé un cadavre et j'ai rien fait. Ah putain, de la tourbe. Où je relance ma tourbe, c'est vraiment une des priorités là maintenant. La vinasse aussi, oh putain, il y a trop de trucs à faire. Alors, on met la tourbe, faut que je la dépose. Le Daniel sur lequel il a un record du monde. Alors, je te dis dans 30 secondes. Sur lequel il a un record du monde. Bah, record du monde mondial. C'est un... Comment on dit quand c'est le même nom? Pas un pléonasme. C'est pas un oxymore. Oxymore, c'est l'inverse. C'est un... C'est un pléonasme? C'est un... Oh, c'est compris. 200. Ah ouais.
c'est quelque chose à mon avis. Allez, sous-croûte, je pense que je peux en déposer un peu. Ouais, on va quand même... Voilà, on va mettre tout ça en choucroute, on va déposer toutes les carottes. Je suis désolé, je te perturbe dans ton gameplay. Non, non, mais... Ouais, c'est ça, le streamer. Hein. Genre, si je fais de la merde, c'est pas de votre faute, hein, c'est de moi. Je suis incapable de faire les deux en même temps, c'est pour ça. Vinasse, on va en prendre 40... 40 de vin rouge, ou on fait tout le vin rouge. On en met 60, un petit 60 de vin rouge goldé. Et de l'argent aussi un peu. Il faut vraiment que je me... Il va falloir que je me focus sur les zombies un peu. Mais bon, l'embaumement, c'est ça qui va me permettre d'améliorer le rendement de mes zombies. Pourquoi je marche alors que... Crâne qui parle. Hop, paf. J'ai la téléportation. Alors... Aïe, aïe, aïe. Que dalle, ils ont rien acheté. Alors c'est comment pour faire un événement? Parlez-moi à me remplir avec chaque goutte d'alcool. Remplir complètement la barre vous permet d'obtenir une étoile. Une étoile, c'est à quoi ça sert? Nous avons besoin pour organiser des événements. Quel est l'intérêt des événements? Alors attends, quoi? Alors j'ai loupé la fin. Une étoile. Facile, il vous faut des étoiles de réputation, des prospectus promotionnels et un peu de confiance en vous. D'accord, ok. Des prospectus promotionnels. Ok, bah c'est ce qui me manque encore. Bon, pour l'instant, on reste sur le classique. Ah ouais, les stocks, ils sont vides. Ouais, j'ai ramené des trucs, mais il y a encore de la place. Paf, hop. Vas-y, on va prendre les burgers. On va déposer la vinasse. Je vais garder les burgers pour moi. Ça fait quoi les burgers? 42. Risque de commettre les erreurs chez... Ouais, bof. On va partir avec la potion. Hop, on va faire une petite sieste. Bah c'est surtout que je ne comprends pas grand chose. Prendre un jeu comme celui-là en cours de route, mais je ne vais pas tarder à dos. Bah c'est comme je te dis, c'est Stardew Valley. Hein. C'est y a pas grand chose à comprendre. On vient d'un autre monde en fait. On est mort dans notre monde et on a été téléporté en fait dans ce monde-là, dans un monde médiéval fantastique où on a récupéré la place de Fossoyeur. Et l'idée en fait c'est que je dois trouver un moyen de retourner dans mon monde. Mais pour retourner à mon monde, je remplis des quêtes où on me demande de certaines ressources à chaque fois. Et l'idée c'est que pour atteindre certaines ressources, il faut que j'en fabrique d'autres. Et à côté de ça, il y a plein de petites quêtes. L'idée principale c'est que je trouve un moyen de retourner dans mon monde. Mais le gameplay général c'est je dois gérer mon cimetière et mon église. Mais là on est sur la version tous les DLC. Donc il y a plein d'autres trucs à faire, genre par exemple là il y a un DLC qui rajoute une taverne avec une machine à voyager dans le temps. J'ai pas exploré la machine à voyager dans le temps. Il y a un DLC qui rajoute des riches réfugiés auxquels il faut se confier, qu'il faut gérer avec une histoire de vampire. Ça pareil j'ai pas trop exploré. Et un autre DLC que j'ai pas du tout fait où par exemple il faut gérer, il faut faire de la purification d'âme. J'ai pas encore du tout fait ce genre de choses pour l'instant. Donc je voilà. Mais et donc là en fait là actuellement j'essaie d'atteindre certaines ressources. Et pour atteindre certaines ressources, bah ensuite là ce que je fais depuis tout à l'heure, en vrai ce que je fais depuis tout à l'heure, je gère un peu tout ce qui est en cours. C'est-à-dire je fais du vin pour ma taverne, je gère mon potager pour pouvoir faire des ventes de légumes de qualité. Je m'occupe des cadavres parce que j'ai un cadavre qui est livré par jour. Comme tu peux le voir, il y a une notion de jour-nuit avec un... Chaque jour est représenté par un symbole et chaque jour, chaque symbole représente un jour où on peut rencontrer un type de PNJ. Ouais, lui, il est sur ce symbole-là, lui, il est sur ce jour-là. Et ces PNJ, bah, ils ont tous des quêtes. Tout ça, là, tous les trucs orange, tous les textes orange, à chaque fois, c'est des quêtes. Voilà, pour résumer. Ça, c'est... Voilà. Si tu veux, si tu aimes les trucs un peu chill comme ça,
N'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube, il y a les VOD ainsi que les tests que je fais. Bon, le cadavre, putain, j'en ai marre, je veux aller dans le donjon. Et là, ouais, j'essaie d'obtenir de l'acide, et pour obtenir de l'acide, il faut que je me fasse... Soit il faut que je fasse de l'alchimie avec de l'oignon, faut pas chercher à comprendre. Soit... ah putain, toutes mes palettes sont pleines. God damn. J'ai trop de cadavres qui traînent, putain. Hop. Ouais, il est pourri, vas-y, nique sa mère, allez, je me casse. J'ai même la flemme d'aller au domicile, hop, domicile. Et ça, c'est ma petite maison, ça. Et ça c'est tout mon atelier, mais pour l'instant, Ah non, mais je suis con, c'est par là. Voilà, ça, c'est tous mes ateliers pour faire des ressources. Et là, c'est ma cave à vin. Donc là, on va aller dans un donjon, parce que comme dans Stardew Valley, il y a un donjon... Où tu peux tuer des mobs et récupérer certaines ressources. Ok, c'est rigolo, je passerai sur ta chaîne à l'occasion. Bah, n'hésite pas, hein, moi je... Bah là, c'est les vacances. C'est les vacances, donc en vrai, à partir de lundi, je pars. Donc là, les derniers streams, ça va être ce week-end. Et lundi, je pars et je reviens, je crois, le 29. Je pense le 29. Et donc voilà, donc là ça va être 2 semaines où il n'y aura pas de stream, donc c'est la période des fêtes quoi. Mais ensuite voilà, je suis là le lundi, je suis sur la chaîne sur une web TV, et sinon je stream le mardi, jeudi, vendredi et samedi sur ma chaîne. La semaine on fait des petits tests de jeux indé. Et les week-ends, les long plays. Voilà, parce que la semaine, comme je bosse, c'est un peu compliqué détruire. Ça, je m'en fous. En vrai, je peux le faire après, ça. Je vais me remplir et ensuite, je... Ah, ça sonne... Donc voilà, et c'est chill. Et je porte supplémentiel parce que je rage sur les jeux où il faut rager. Mais c'est vrai que je faisais pas mal de multi avant, et maintenant, je fais plus de multi quasiment. Non, de la coop. Voilà, on a fait de la coop avec Tixie. Il y a une VOD avec Tixie, si ça t'intéresse, sur ma chaîne. Où on a fait du biped pendant toute une soirée, on s'est pris la tête à faire du puzzle game, c'était un enfer. Je comprends, je bosse aussi. Ah voilà, la semaine, toujours un peu compliqué de streamer. Moi je fais des petits streams de 2h30, 3h quoi la semaine. Ça me laisse le temps de faire des tests. Et les week-ends, bah en général, ça dépend des jeux, mais en général je finis vers 2h ou 3h un peu plus tard quoi que d'habitude. Voilà, nouveau mob. Ça pue ça. Ah, les nouveaux mobs. Et donnez-moi de la gelée orange, là. Il n'y a pas de touche d'esquive comme dans Sekiro. Ça donne rien, on est d'accord. Hein. Ça donne de la merde. Hein. Ça, je m'en fous. Vas-y, c'est vrai qu'avec ton pseudo, tu rages quasiment jamais. C'est parce que j'ai arrêté de jouer à des jeux multi, en fait. Non, je faisais beaucoup de Apex avant et beaucoup de DBD. Et en fait, le DBD c'était de pire en pire. La commu était de plus en plus toxique. Donc, résultat, je réagis de plus en plus. En plus, le jeu, le matchmaking, nique ta mère, t'es. Wouh! À moins 15! Ah ouais, d'accord, ok, petite boule. Ah ouais, non, mais ça a une portée de ouf! Wouh! Ah, vous faites mal là! Vous me faites mal! Et des BD, mais toi, je rage. Ah putain, j'utilise une potion de soin alors que j'en ai peut-être trop abusé. Oh, de la toile d'araignée. Oh, j'en ai jamais eu. À quoi ça me sert? Des BD, la communauté est devenue de plus en plus toxique. Et en plus, les développeurs, ils étaient en mode bas les couilles. Ils empiraient tout le temps la situation. Et puis le matchmaking, ouais, t'es rang 2, 3, tu finis avec des rangs 17, 18, nique ta mère, quoi. C'est, ouais... Donc ça me rendait de plus en plus fou. Et Apex ça me rendait toxique. Parce qu'en fait je montais de plus en plus de niveau. Et même avec mes potes, j'avais plus de plaisir trop à jouer avec mes potes. Parce qu'ils avaient pas le même niveau que moi des fois. Ou je rageais trop sur les rangs, sur les PU. Donc quand je me suis aperçu que je devenais trop toxique, j'ai fait vas-y c'est bon, je vais arrêter. Et en plus Apex, je faisais énormément de Apex et je me disais ouais, j'aimais bien Apex. En vrai c'est un jeu que j'adore,
Mais j'étais trop toxique et en plus de ça, personne ne regardait mes parties d'Apex. J'avais 2-3 viewers qui aimaient bien Apex, mais c'est pas ce que je voulais faire de ma chaîne à la base quand je voulais streamer, tu vois. Je suis vite plein là, et même les clous ensanglotés, j'ai envie de m'en débarrasser quoi. Ouais, tout ça, ça a jarté de ma chaîne un peu. Toile d'araignée, je sais pas à quoi ça me sert. Les clous aussi, ça me sert à rien. Je vais même avec des BD Overwatch. Overwatch, par exemple, c'est un jeu que j'aimais bien, mais j'ai jamais trop ragé dessus. Il y avait un Rainbow Six aussi qui me faisait pas mal rager, mais... Ah ouais, non, mais il m'atteint, il nique ma mère. Je sais pas à quoi ça me sert l'étoile d'araignée, je vais les garder de côté, parce que c'est une ressource que je connais pas. Détruire. En vrai, ce qu'il me faudrait, c'est ça là, il faudrait que je puisse... Je vous laisse, gododo, j'en peux plus, des bisous. Des bisous, Eagle Crow, t'as lâché un follow tout à l'heure? Non, tu n'as pas lâché de follow, Eagle Crow. Bah, je t'invite à lâcher un petit follow, que tu puisses... que tu retrouves ton chemin, même si je sais que mon pseudo... Et on ne l'oublie pas facilement. Et merci du follow. Voilà, l'entertainment. Ah putain, l'araignée de mort. J'essaie de la jouer tactique, mais c'est chaud, hein. C'est ultra chaud. La graine d'oignon. Ouais, je commence à avoir trop de trucs sur moi là. Les graines, j'aime bien ça. Ça se revend. Graines de blé par exemple, ça bat les couilles. Et bonne nuit, Eagle Crow. 600 un follow, incroyable! Trop content. Bonne nuit à toi, merci d'être resté et à la prochaine. Je sais pas quand, résultat, vu que je vais partir en vacances. A plus. Attends, je suis désolé là, mais on m'attaque là. Il y a agression. Ok, je te lis dans un instant. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Voilà, alors par contre, j'aspire tout ce qui est inutile. Hop. Diamant à chaque saison et finalement ça me stressait plus que ça me faisait plaisir, donc j'ai dit stop et j'ai désinstallé le jeu. Ah, c'était un peu ça avec Apex. C'était un peu ça avec Apex. Ils me font trop mal. Voilà là là là. J'essaie de la faire un peu tactique, mais c'est un peu chaud. Et encore, tu te dis que j'ai un bon équipement, quoi. Moi, je m'en fous du cadavre. Ah, c'est chaud, putain! Mais ouais, c'était un peu ça avec Apex. Je finissais platine, je crois. J'étais pas diamant, j'étais platine. Et le truc, c'est que je tombais tout le temps avec des PU. En fait, je grimpais pas en platine parce que j'avais pas de potes qui avaient mon niveau. Même si c'était cool, mais c'est vrai que ça me saoulait un peu, quoi, de faire de la ranked et de pas grimper. Et quand je trouvais des gens avec qui étaient de mon niveau, c'était des cons. C'est des Français en tout cas. Et quand je jouais avec des randoms, j'étais en mode, mais on me filait tout le temps avec des golds. Et j'étais en mode, mais niquez vos mères. On me filait soit avec des golds, soit avec des gens. J'étais en mode, mais les gars, vous connaissez le jeu. Et ça m'en rendait toxique de ouf, quoi. Ok, bah normalement là c'est fini. Ouais, entrez.
Niveau 6. Incroyable. T'as combien de points de vie? On peut pas avoir mes points de vie précis. C'est un peu frustrant. Wow! Nouveau mob. Qu'est-ce qu'il fait comme attaque, lui? What the fuck? Ah ouais, ça fait de la poudre électrique. Ah ouais, d'accord. Ok, clou, ça, ça dégage. Hop. Détruire aile de chauve-souris. Hop. Ok, nouveau mob, des kamikazes. Eh, ça se trouve, ça me donne autre chose si je les pète avant. Attends, j'ai envie de... Non, c'est une pièce, c'est worst ID. Oui! Ah, ça me fait pas de l'endu en moi? La gelée bleue. Donnez-moi de la gelée orange là, putain! Je m'en fous de la gelée bleue, putain. Mais puis voilà, puis à un moment j'ai pris En vrai, ce qui m'a fait faire une pause d'Apex, c'est aussi que à un moment j'ai pris une pause dans le stream parce que j'avais besoin de me remettre en question un peu par rapport au stream et j'avais envie de développer autre chose. En fait, je voulais faire du jeu de rôle en stream, donc j'ai eu un projet en mode je voulais faire du jeu de rôle en tant que PJ et en tant que MJ. Alors en tant que PJ, ça s'est pas fait au final parce que mon pote était débordé par les études, donc il avait pas le temps de se consacrer en tant qu'MJ. Ah. En vrai, la poudre d'accélération, je crois que je peux m'en débarrasser. Poudre d'argent, ah, je peux prendre que 10 minerais d'argent par 10. Ah, faut que j'aille dormir, vas-y, on va aller dormir. Ah, en plus, c'est bientôt, c'est le jour de messe aujourd'hui. Vas-y, on va aller faire notre jour de messe. Et donc, j'ai pris 2 mois de pause pour, et donc, j'ai développé le jeu de rôle, pour ma chaîne. Mes résultats, j'ai dû me mettre sur tous les logiciels qui permettaient de faire du jeu de rôle en ligne avec des cartes. J'ai dû apprendre la création de cartes, j'ai dû apprendre la maîtrise des logiciels. Surtout que j'ai voulu, au final, j'ai choisi de partir sur Foundry, qui est un des logiciels les plus complexes. C'est l'équivalent de Linux pour le jeu de cartes, c'est-à-dire c'est ultra bien quand tu l'as développé. Sinon, il faut bien connaître, mais ensuite c'est ultra quali. Et surtout, bah, j'ai dû me mettre dans le bouquin de jeu de rôle. Lire un bouquin de jeu de rôle, maîtriser les règles, commencer à écrire des scénarios et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc tous les soirs, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder certains potes streamers. Et j'ai fait ça, et j'ai fait une pause de 2 mois carrément dans le stream pour caler tout ça, pour caler le jeu de rôle, pour caler trop de trucs. Et en plus, je lisais les extensions, j'essayais de... Voilà, j'ai dû faire des sessions, 2-3 sessions, j'ai fait des sessions de test, et j'ai vraiment bossé le truc. Puis ensuite j'ai dû bosser un overlay, bon je suis pas con, je fais un petit overlay mais il faudrait que je refasse un overlay. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Et au final le scénario que j'avais écrit d'introduction était tellement long, ça a pris tellement de temps, on a dû faire 5 ou 6 sessions. Et en plus j'ai espacé pas mal les sessions parce que... Et donc voilà, ça m'a pris 2 mois pour faire tout ça. Et quand je suis revenu, j'étais en mode, ouais, vas-y, on va se concentrer sur ce que j'aimais à la base et ce que je voulais faire. Le jeu indépendant. Et j'étais en mode, ouais, j'ai pas joué à Apex pendant 2 mois. Et quand j'ai repris Apex, j'étais en mode, j'ai beaucoup perdu. Et j'ai fait, bon, bah, on va arrêter Apex. Et j'étais en mode, bah, c'est pas plus mal parce que au final... j'ai perdu beaucoup de gens parce que je faisais plus de DBD et que je faisais plus de jeux indépendants et voilà. Mais ça m'a fait du bien cette pause. Ça m'a permis de me recentrer sur le stream, refaire un peu, réfléchir un peu à ce que je voulais proposer, ce que je voulais présenter en stream, où est-ce que je voulais amener ma chaîne. Ouais, voilà. Moi, maintenant, je kiffe. Hein.
je prends plus de plaisir. En plus, je me trouvais, j'étais devenu ultra toxique sur Apex. J'avais plus de plaisir en fait. J'ai toujours que dalle en tourbe, hein. 52 de tourbe. C'est vraiment de la merde. Bon, j'ai la messe là. J'ai des cadavres aussi. Ah c'est ça, ils m'ont fait des arbres à baies. Et une fois qu'ils sont là, j'ai plus de... Ok, c'est bien ça. Par contre, j'ai pas de pommes. Ok, j'ai des petits arbres à baies. 20 ans que tu streams. On fêtait les 3 ans de la chaîne, là, il y a... En septembre dernier. Mais j'ai stagné pendant un an et demi parce que je faisais du Apex. Voilà. Parce que pour faire du jeu multi, en vrai, pour grimper dans le jeu multi, il faut vraiment que tu sois excellent, quoi. Faut que tu sois skillé de ouf. Et je suis j'ai du skill, mais il y a trop de gens qui stream du jeu multi. Et c'est dur de te dissocier des autres. Donc faut vraiment faire des trucs en plus. Et comme je développais, je faisais jamais de best-of, tu vois. Je faisais jamais de best-of ou de frag movie à la con. Ce qui est une erreur au final quand tu fais du multi. Donc j'ai un peu stagné pendant un an et demi. Et depuis que j'ai refait ma pause, bah là, c'est revenu. J'ai de nouveau un peu de viewers, j'ai de nouveau des follow qui montent. J'ai un pote qui stream du jeu multi, il a mis 6 ans avant de développer son stream et que ça marche. Bah, tu vois, c'est pas déconnant ce que je dis. Il y a la méta Twitch, il y a plusieurs types de méta, hein, mais la méta jeu multi, elle est hardcore. Hein. Elle est hardcore de ouf. Faut que je fasse une sieste, mais je vais prendre mon gras. Faut vite que j'aille faire la messe là. Faut vite que je fasse des bougies aussi. Voilà. Vite. La méta qui marche le mieux, c'est de stream un seul jeu et un jeu qui est pas un jeu multi en fait. Ou sinon vraiment faire que du jeu multi, mais c'est dur quoi. C'est dur parce qu'il faut que tu fasses. Faut vraiment. Là faut développer une chaîne YouTube vraiment à fond. Moi tu vois, j'ai pas le temps de faire du montage de chaîne YouTube. J'ai pas le temps de faire du best-of. Flemme quoi. Ok, il y a les bougies, il y a tout. Allez, let's go. La petite messe. On est dimanche. Tac. Fabriqué. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Encore. Toujours les mêmes. On est tous en or. Dieu m'a donné la foi. Il a guidé mes pas. À présent, prions pour cette bénédiction d'argent. Tous vos noms sont les bienvenus. Et toi, ça fait combien de temps que tu stream, président, tu vois? Petit 55, donner de l'argent, ouais. En vrai, les vrais méta qui marchent, c'est streamer un seul jeu et... Et être bon, et même pas forcément être bon dessus, mais faut être sur des communautés. Moi, c'est un peu dur, tu vois. Le multigaming, c'est particulier. Hein. Multigaming, pareil, c'est aussi difficile. Hein. Sinon, faut rester sur une ligne directrice de multigaming, genre faire que du triple A et un peu d'indé, ou faire comme moi, je fais un peu de. Que de l'indé. Ouais, moi encore, même. Moi, c'est le bordel. Mais c'est un peu plus carré maintenant. Attends, j'ai fait quoi là? Ma foi, je l'ai pas déposé. J'ai fait ma messe. J'ai pas récupéré la thune dans ma caisse. C'est bientôt le jour du marchand, donc il va falloir que je m'occupe de mon potager. Certificat d'animation. Ça a déposé 34 deux fois. Parce que je parle, mais j'oublie ce que je dois faire. Sur combien là? 1h59.
Tu sens que je suis en mode sérieux quand je parle de ça. Je suis content. Je dirais presque que je suis un peu triste, mais je suis très content de ce que je fais. Ouais, l'étoile d'araignée, je sais pas ce que je vais en foutre en fait. Ça me casse les couilles. Ouais, je voulais faire jouer dormir là, parce que j'ai plus d'endu. Je me sens rafraîchi. Ouh. Ah ouais, mais moi c'est une vraie passion. En vrai, l'idée derrière le stream, ça a toujours été, ouais, je passe énormément de temps sur les jeux vidéo. C'est possible. Faudrait que je rentabilise ça. Donc c'était l'idée de base, c'était ça. Et je faisais beaucoup de Rainbow Six en fait. Je faisais beaucoup de Rainbow Six, mais au final je fais plus du tout de Rainbow Six. Plus du tout du tout. Attends, on va étudier la gelée bleue là. Je sais pas ce que ça peut faire la gelée bleue. Rapidement. Et je me disais, vas-y, quitte à jouer tous les soirs, autant dès que faudrait que je fasse ça. Et j'ai récupéré 3 écrans. Il y avait un studio vidéo qui... ça me donne quoi ? Solution d'accélération. Berk. La merde. Si je mets de la gelée bleue là-dedans, ça fait rien du tout. Mon moyen alchimique. Et si je mets de la gelée bleue là-dedans, ça me fait une solution d'accélération. J'étais parti là-dessus aussi. Sur quoi ? Sur Rainbow Six ? Putain, ma gelée bleue, j'ai pas de coffre pour. Ça me saoule. Gelée bleue... j'ai trop de... Faudrait que je fasse des cordes en chambre éventuellement. Ah mais ça me dédouble le truc. Sauf fait de rentabiliser. Ouais bah c'est ça. Hein. C'est ça, c'est le plus... C'est logique. Et donc voilà, et puis ensuite j'étais en mode ouais, je regardais Mister MB, j'étais en mode ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Moi en vrai, ce que j'aimais beaucoup c'était les jeux indés. Donc au début j'ai fait beaucoup de jeux d'horreur et pas mal de jeux indés. Mais c'est vrai que j'avais pas autant le fil que maintenant. Je regarde, il y a mes best-of là qui sont dispo sur YouTube. Alors c'est mignon à regarder les best-of, mais quand je regarde les vieux clips de la chaîne, je suis en mode... Ouais, ça sent que j'étais... Ça me dérange. Ça me dérange mes anciens clips. Je suis en mode... Ça a bien changé depuis le temps. Tu joues toujours un peu un rôle au début quand tu streams, ou sinon soit tu joues un peu un rôle pour essayer de te chercher, soit... merde, putain, mais je suis un connard. Donc j'étais en mode ouais, supplément sel, les cuisines et tout, et je suis toujours dans le délire un peu les cuisines parce que j'aime la bouffe et tout. Mais tu sens que j'étais pas autant à l'aise que maintenant. Beaucoup plus détente, beaucoup plus mieux, et même dans ce que je veux présenter et comment je veux le faire. Mais il y en a, c'est plus facile que d'autres. Toi t'es déjà très à l'aise. Je sais pas depuis combien de temps tu stream, mais t'es déjà très à l'aise sur le stream. Je pense que c'est venu au bout d'1 an, 1 an et demi. Je sais que j'avais du mal au début à ne pas quitter des yeux l'écran de chat. Ah bah c'est plutôt l'inverse, c'est bien ça. C'est plutôt l'inverse, quand tu débutes c'est plutôt l'inverse hein, en général. J'en parlais avec des collègues, c'est plutôt... T'as pas forcément... Moi j'en connais beaucoup, et même encore aujourd'hui, j'ai des potes à moi qui streament depuis 1 an et demi, 2 ans, ils ont du mal à regarder le chat hein, encore. Hein. C'est vrai que c'est en général, c'est plutôt l'inverse. Bon, ouais, ça, je vais détruire, hop. La caisse à graines, hop. Non, ça c'est de l'oignon. Caisse à graines. Ah, il a encore des carottes, l'autre connard, là. Ah, putain, faut que je relance de la tourbe. Novembre de l'année dernière. Ouais, ça fait presque 1 an et demi que tu stream. Mais maintenant moi, je suis très content de ce que je développe là depuis. Résultat, je suis un peu frustré parce que pour l'instant là, j'ai avec le taf,
En vrai, j'ai commencé à développer le côté test, donc ça me prend un peu de temps, ce qui fait que la semaine, je peux moins me permettre de prendre une soirée supplémentaire pour me concentrer sur le JDR. Mais faudrait que je redéveloppe le JDR. Mais en vrai, j'aime bien être MJ, mais je préfère tellement être PJ. Je me trouve sympa comme MJ, mais je trouve que je suis plus à l'aise en tant que PJ, quoi. C'est beaucoup plus ma cam de faire du RP que d'être MJ. J'ai plus d'expérience en tant que MJ qu'en tant que PJ qu'en tant que MJ. J'aimerais bien développer ça avec un MJ, mais faudrait que je suis trop exigeant parce que j'aimerais un MJ qui a un bon micro. Comme je veux faire des best-of ensuite. Pour le jeu de rôle, j'aimerais un MJ qui a un micro, j'aimerais un MJ qui a une bonne cam, un MJ qui, bien sûr, qui sait faire qui maîtrise à peu près les logiciels un peu de virtual tabletop, voilà, ce genre de choses, quoi. C'est pas facile à trouver. J'en ai rencontré 2-3, mais résultat, ils font principalement sur leur chaîne. Moi, j'aimerais développer ça sur la mienne. Et la meilleure solution que ça serait payer, mais c'est vrai que j'ai pas le budget pour payer. Moi je suis prêt à ce qu'il s'occupe de toute la partie masterisation et je suis prêt à m'occuper de tout ce qui est faire la régie de l'émission, faire les best-of, trouver les joueurs, faire les plannings, les orgas, faire tout le reste en fait. Mais il s'occuperait de tout ce que je peux pas faire, quoi. Mais c'est dur à trouver. Ah, j'ai de l'oignon 5 là. Ouais. Grain de blé, bof. Putain, la tourbe, ça part trop vite. C'est trop relou. Putain, je vais pas en rajouter un quatrième quand même. Un truc de tourbe là. Le JDR sur Twitch et VOD, c'est chaud. C'est-à-dire, comment ça? Le JDR sur Twitch, bah le problème de JDR sur Twitch, en vrai, souvent c'est que c'est un peu naze, quoi. C'est que c'est pas pensé pour. Moi j'aimais bien Aventure. C'est par rapport à quoi? Non mais c'est vrai, moi j'ai regardé des parties de jeux de rôle, des fois je suis en mode... Il y a la moitié des joueurs qui ont pas de cam, l'autre moitié qui ont... La moitié des joueurs qui ont pas de cam, ils ont tous des micros dégueulasses. Y a pas de carte, l'overlay il est un peu naze. C'est tout ça. Tout ça, moi c'est des trucs, ça me donne même pas envie de... Moi j'aime bien, hein, mais ça me donne pas envie de regarder des jeux de rôle. Hein. C'est souvent que la présentation est pas incroyable. Hein. Je pense que quand tu n'as pas le matos et les joueurs MJ charismatiques, c'est dur à regarder. Ouais, voilà. Mais moi c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment ce projet de vouloir faire un truc... Non, ta mère. J'ai pas besoin de ça. Mais... C'est ça. C'est que je sais que... Moi j'aimerais bien monter ce truc de... monter ce truc, mais... voilà, je suis conscient de tout ça. J'ai vraiment une idée de projet précis en tête. Moi, ce que j'aimerais le mieux, ça serait que... alors déjà, je connais des joueurs, j'ai des bons joueurs, tu vois, donc je m'inquiète pas trop des joueurs. L'idée, ça serait même si je pouvais avoir des streamers, mais il faudrait motiver des streamers et tout le monde est un peu sur sa chaîne, tu vois. Là, prochainement, je pense que à la rentrée, à défaut de continuer ma campagne, parce que ma campagne, je l'ai pas fini en fait, ma campagne. J'ai pas la fin encore et je bute un peu sur la fin. Je pense que à défaut de faire la campagne, je vais au moins en attendant que je relance la campagne, je vais faire je pense faire un one shot je vais proposer à différents streamers, si toi éventuellement ça t'intéresse, pourquoi pas, hein. Mais j'aimerais faire un one shot alien, soit sur une soirée, une grosse soirée, genre grosse soirée, très grosse soirée, je pense en 5-6 heures c'est plié, mais c'est voilà, c'est quand même une grosse soirée. Grosse soirée, gros one shot sur Alien, parce que je masterise Alien actuellement. Moi j'aurais bien aimé développer du vampire plutôt sur la chaîne.
Et voilà, faire ça avec des streamers, parce que dès que t'es avec des streamers, et en plus je connais des très bons streamers avec qui seraient incroyables. C'est déjà être avec des streamers, avec des bons streamers, ça change niveau, tu sais, t'as un peu plus de charisme, tu gagnes des points. Y a plus de livraison là. Y a plus de livraison là, c'est le marchand demain. Niveau caisse. Caisse de légumes dorés, caisse de marchandises, caisse en fer complexe. Je pourrais faire ça un peu, caisse en fer complexe. Faire 2-3 caisses. On va faire des pièces. J'ai un de mes meilleurs potes qui est MJ de ouf avec un matos de porc, faut que je lui en parle. Et en vrai, tu l'envoies à moi, je suis chaud, hein. Enfin, quand je dis matos de port, c'est une bonne cam et un excellent micro. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Hein. Non, moi, je suis même prêt. Je suis prêt à payer le logiciel. S'il a pas le logiciel, je suis prêt à payer le logiciel. Je suis prêt à payer. Je peux pas payer un salaire pour le MJ, mais je suis prêt à investir. J'ai déjà investi. Hein. J'ai déjà acheté pas mal de logiciels. J'ai acheté des trucs de cartes. J'ai acheté plein de trucs. Tu vois. Je suis prêt à investir de ouf. Pour tout ce qui est fabrication de cartes, fournir une clé de logiciel, fournir une clé pour le logiciel de fabrication de cartes, fournir une clé pour le logiciel de VTT de Virtual Tabletop, quoi. Tout ça c'est des trucs, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Moi, t'es un gros fan d'aventure et j'ai grave envie de faire du aventure en fait. Je manque de aventure en fait. De aventure, du jeu de rôle aventure. Je trouvais que c'était vraiment la meilleure forme de jeu de rôle qu'il puisse avoir. Ensuite, il y a AlphaCast qui a lancé son truc. Alors c'est marrant parce que quand il a lancé son truc, moi j'étais parti en mode ouais, dans 2 mois je lance mon truc. Au bout de 2 mois après, quand je commence à me dire ouais, je vais lancer ce truc ultra propre. Il y a AlphaCast qui lance ça, j'étais en mode ah d'accord, ok, vas-y, il y a tout le monde qui veut faire du JDR dans les gros streamers, j'étais en mode mais moi je voulais un truc. Mais et puis voilà, direct il débarque, grosse tête d'affiche, gros budget, plus max quoi. Ah, il a plus de carottes l'autre connard là. Ah, lui il fait plus de blé en bas. Mais en vrai, ouais, parle-lui-en, et s'il est intéressé, moi je suis chaud de ouf. J'ai même des graines de lentilles d'avance. Tourbe. Je vais en prendre 40. Je sais pas si j'ai assez avec 40 pour aller pour la vinasse en haut. Ah, j'ai le marchand. Ah, le marchand, on va aller voir le marchand là avant que j'oublie. Le marchand là avec son hoquet de mort. Putain, je l'ai mis où? Ah, hier. Yeah. Voilà, hop. Utiliser cheval mort. Mais ouais, moi vraiment, je suis. C'est un projet qui me tente de ouf. Et je sais que j'ai des gens qui peuvent s'engager sur ça, quoi. Et des personnalités voilà, sélectionnées. En vrai, ma première équipe, j'ai demandé à des gens où j'étais en mode ouais, eux ça va être marrant avec eux. Je sais qu'ils vont avoir un micro, je sais qu'ils vont avoir plein de choses. J'ai un remède. Tenez, je vous ai rapporté le remède que m'a dit Cloto, m'a dit qu'il devrait vous aider. Je pense qu'il sera un match chaud, faut que j'ai une discussion avec lui. Bon, y a pas de problème, hein, tu me dis, on se fait un call à 3 au pire. Je serai le frit. Délicieux, c'est meilleur qu'avant. J'ai juste mis du piment. Merci beaucoup. Oh, mais vous trouvez ce précieux ingrédient. J'ai préparé ma belle, il m'a nécessité que quelques connaissances alchimiques aient un peu de bon sens. Oui, bien sûr. Intéressant, intéressant. J'entrevois les possibilités.
Le tarot pourrait avoir bien des portes, surtout celle du palais. J'organisais un dîner avec une partie du membre du conseil royal. C'est là que je vais avoir besoin de votre aide. Je dois préparer un dîner extraordinaire pour 5 personnes. Préparer des amuse-gueules, un plat principal, un dessert, mais tout se doit d'être de la plus haute qualité. Ah ouais, d'accord. Pourquoi moi, je ne suis pas si doué que ça en cuisine. Je ne peux faire confiance à personne d'autre en ville. Les enjeux sont trop importants. Pourquoi ne préparez-vous pas ce repas vous-même? J'ai rien dit que je ne suis une fée bouche, pas un cuisinier. Ne vous en faites pas, vous allez arriver. Et puis cette épice que vous avez refusée permettra de rendre ce dîner inoubliable. Alors, il veut que je fasse quoi, là? Apporter au marchand 5 dîners... Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des dîners de qualité or? Mais c'est quoi, ça? Vas-y, je vais leur prendre des graines de vigne parce que c'est rentable de ouf. Nuit off, non. Oui. Tac. Ok, ok. J'ai fait mes certificats d'animation. On va aller faire un petit tour à la taverne. Récolter de la thunasse. J'ai pas fait de l'acide aussi. Résultat, on voulait faire de l'acide ce soir, on a rien fait. Yeah! Tu files, bébé? Tu t'es un peu endormi, non? Ça va? Alors, à une petite pièce d'or, vin rouge. Eh, le vin rouge, il part tellement vite. Eh, je suis bientôt à 3 étoiles. Hein. Oh, les stocks, là. Comment? Ouais, il y a de la choucroute. Je vais me péter, mec, j'ai une grosse journée. Sauf si quelqu'un s'est bonne nuit, monsieur. J'espère pour toi que ça va bien se passer. Ah, putain, ils ont pris que le vin rouge d'argent. Eh ben, bonne nuit à toi, Prez. Merci d'être resté aussi longtemps. Des bisous et à ton prochain stream, sûrement. Mon prochain stream, on verra. Qui commencera en premier. C'est que le week-end, moi, je regarde pas trop de stream en général. Ça dépend quand je bosse. Si je bosse le week-end, en général, si. Donc voilà, bah bon courage, je croise les doigts pour toi, j'espère que ça ira et que t'auras pas de problème. Sur ce, bonne nuit. Et à bientôt, l'ami. Graines de vigne, hop. Ça c'est fait. Pas assez d'énergie, mais c'est dans la tête. Là, faut que je m'en fasse la route du miel là. Bon, j'ai pas mal de doublons, mais j'en fais rien pour l'instant de doublons. Hop. Tellement de points, on a tellement de points en agriculture. Putain, tout ça pour me faire 15 de thunes. Hop. Le marchand c'est fait. Faudrait que je retourne au donjon quoi. Tac tac tac. J'ai plus rien à planter là. Si j'ai des graines, voilà des graines. Tac. Déchets agricoles, je m'en fous. Ouais.
Je crois que j'ai tout planté là. Alors, je vais remettre ma tourbe ici. Je vais relancer de la tourbe. Ça, je sais pas à quoi ça me sert. La vinasse et solution d'environnement, on a toujours pas eu la vinasse. Tac, hop. Est-ce que j'ai récupéré le blé là chez l'autre là? Non, j'ai pas récupéré le blé chez l'autre. Attends, il est où mon blé? Attends, j'en ai fait quoi du blé? Je l'ai pas cramé le blé quand même. Ah, mais il est là, putain. J'ai peur. Hop, on va prendre de l'eau un peu. Avec l'éolienne là, elle serait pas déconnante. Ça me fait quoi ces 20 par Sao? Hop. Tout déposer à la cave. Tac. Ah les problèmes. Ah les problèmes. Shit. Ouais, non, ça passe. Faut que je fasse les jus en fait. Puis ça me fera économiser un peu d'espace. Hop. Putain, mais du silver, j'en ai masse. Plus que ce que je pensais. Je peux faire 4 sauts de 20 gold. Ce qui me fait à peu près. Ce qui me fait à peu près 2 bouteilles. C'est pas énorme. Mieux que je reste sur les 80%, c'est très bien. Hop. Je préfère prendre le risque pour économiser un peu. Tac. Ah, y a plus la place. Y'a plus de place nulle part. Ouais. Bon, l'embaumement. L'embaumement, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il me fallait? Pour du liquide d'embaumement, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce qu'il me fallait pour le liquide d'embaumement? C'est injection de restauration. Arrête la. Pour vérifier, c'est injection de colle. Alors attends, il faut que je regarde de nouveau. Injection d'acide. Alors, injection de colle. Injection de colle, de l'eau et de la colle. Ah ouais. Il me faut quoi pour faire de la colle en fait?
Je me doute que ça doit s'appeler Glou. Glou. Vas-y, Glou. Glou Injection Heals Powder Life Solution et de l'extrait de chaos. Ah, Life Solution. Ah, c'est quelque chose que j'ai. Ok. Life Solution, c'est des verres. Un mixeur à main et l'extrait de chaos. Ah, l'extrait de chaos, c'est trop chiant. Oh, l'extrait de chaos, c'est des papillons. Mais comment on obtient des papillons? MDR. Able to be found by foraging flower during the day after unlocking insect under the given tech tree. Ah. Ah là là. Les papillons, c'est sur les fleurs. Butterfly and moth, c'est la nuit. Ok, ah putain. Et donc, c'est dans l'agronomie. Ah putain, c'est les sur là-dessus, là. Ah, mais j'ai rien là-dessus. Ami des abeilles. Ok, bah on va se focus sur l'acide, hein. Là, j'ai quoi sur mon inventaire? Ah, j'ai encore de la tourbe. Déposer la bière. Ah bah non, je dépose la bière, mais ça, c'est pas vide. Ouais, c'est pas vide. Ah si, c'est vide. Faut que je dépose ma tourbe. Ok, les papillons, c'est sur des fleurs. Le truc que je délaisse depuis je sais pas combien de temps. Putain, on va farmer des fleurs. Tourbe, hop. Bon, par contre là j'ai plus de carottes, donc j'ai plus de gras. Pour l'instant je vais laisser tomber les bougies. Allons farmer les fleurs. Putain, je vais jamais en trouver. Ça va mettre 10 ans à trouver ce truc, je sens. Allez, attends, faut que je sieste. Y'a pas un autre moyen? Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud de ouf. Ça va être chaud de ouf. Farmer les fleurs, quoi, bordel. Ça pourrait pas être une ressource beaucoup plus chiante. Je me sens rafraîchi. Ça va être long. Ça va être long parce que je sens qu'il y a un algo en mode... comme j'ai jamais check les fleurs, il va mettre 10 ans à me trouver des fleurs, à me donner des fleurs, quoi. À me donner des papillons et ce genre de choses. Ah, voilà, c'est bien ça. Ok, quoi que ce soit, de toute façon, la nuit, le jour, il y a ce qu'il faut. Et pendant que je suis là, hop, on fait ça. Bon, bah, c'est bien, je vais pouvoir faire des parterres de fleurs dans mon cimetière. Est-ce qu'il y a des fleurs par là? Non. Je sais pas s'il y avait un coin à fleurs plus prédisposé aux fleurs.
Là, il y en a pas mal. Limite, une seule. Rien ici. Ils sont contents, les connards, ici. 9-9. Comment le bonheur, là? Ah, oh, c'est full. Plein de fleurs. Des fleurs jaunes. Hop. Ça va, le jeu est pas trop méchant au niveau de... Il faut quand même que j'en fasse masse. Ouais, ça va, ça monte vite. En vrai, il faut que je me fasse un stock de ouf. Allez, on récolte les fleurs. Ça me rappelle la chasse aux insectes sur Yakuza Like a Dragon. C'est un bordel, ça aussi. Il y a du miel ici, là. Ouais, profitons-en pour le prendre. Tududu. Comme ça, les petites fleurs de merde, là. Oh, il y en a plein là. Allez, sauce-moi le jeu. Faut que je me fasse tout un stock. Va falloir que je me rajoute des caisses en bas. Hein. Parce que là, j'ai pas de quoi stocker tout ça. Est-ce que je peux les utiliser? Ça me fait quoi? Ah, ça me donne de l'énergie. Ah, ça se bouffe et puis s'enlit. C'est logique. Hop, plein de fleurs. Donnez-moi des papillons, putain. Je vais faire toutes les... Oh, il y en a plein en face, là, sur la rive. Et allons voir ici aussi. Et quenouille, oui. Est-ce qu'il y a des trucs à faire avec le quenouille? Non, pas du tout. Bon, quand même que j'en fasse pas mal, hein. Putain, 16, 8. Pas ouf, hein. Pas ouf. Mais il y a l'air d'en avoir dans la forêt, mais j'ai tellement la flemme. Il y a tellement là. Hop. Ah, des cubes à distiller, il faut que j'en fasse plusieurs. Hein. Une seule, ça va être chaud. Hein. Les fleurs partout. C'est vraiment les trucs que j'ai toujours jamais récolté, quoi. Hop. Comment? Ouah. Vas-y, m'en faut encore. Je vais me faire une grosse session cueillage de fleurs. Voilà la masse ici là. Pas assez d'énergie, mais si. Hop.
Ah, faut que je rentre dormir. Hein. Trop de fleurs. Trop de fleurs blanches, trop de fleurs oranges. Je rentre. Allez, on va s'en contenter pour l'instant. Utiliser maison, domicile, dodo. Ah, combien de temps que je stream là? 2h57, sachant que j'ai relancé mon live. Ça fait ouais, petite 4h. Putain, mais les 16 heures que je dois faire avant de partir, je n'y suis pas encore. Ok, alors j'ai des parterres de fleurs. Je peux faire des trucs avec de la tourbe. Je peux faire des trucs avec de la tourbe, mais là, je suis full, donc le jeu il m'encule. Détruire. Oui. Hop. Hop, j'ai un peu de tourbe. On va voir ce que je peux faire pour égayer mon cimetière. Je pense qu'il y a des moyens de faire des trucs intéressants avec, ce que j'ai. Parterre de fleurs. Ah, il me faut de la pierre. Pelouse, il me faut de la tourbe. Pelouse 3. Oh. Je pourrais faire une meilleure clôture en pierre. Il me faut de la pierre. Il me faut de la pierre. Bah, une station de prière, je l'ai jamais fait, si. Si, ça vaut, c'est la petite merde là. Station de prière en bois. Parterre de fleurs, ok, il me faut de la caillasse. Ça va, j'ai. Hop. Ouais, attends, je vais déposer mes abeilles. Non, ça n'a pas marché. Ça m'a fait du silver. Non. On va déposer ça. Déposer la bière, relancer la bière surtout. Jour du marchand, on l'a loupé là. Mais ça peut être en stand-by un peu. Ouais, j'essaie de faire des choses assez différentes quand même dans le stream. Je fais toujours des phases où je me répète un peu. Mais avec le marchand, là, je pourrais mettre ça en stand-by le temps de me concentrer vraiment sur les ressources. J'ai pas pris la pierre, je suis un connard. Je suis parti, je me suis vidé, j'ai pas pris la pierre. Pourquoi les 16 heures de stream et bonsoir, coucou Juju. Jujustun, comment on va? C'est pourquoi les 16 heures de stream? Comment ça les 16 heures de stream? Ah, les 16 heures de stream! Ah oui, désolé, en plus je fatigue. Je suis un connard. Si, parce que depuis les... En fait, les 16 heures de stream, c'est pour... on a... Oh, c'est compliqué à expliquer. En bref, il y a eu une baisse de prix pour les subs. Et en fait, ça fait une différence sur ce que reçoit le streamer, vu qu'il y a une baisse de prix. Mais les streamers qui avaient... Alors, c'est un truc pour... En bref, les streamers... imaginons, t'es un moyen streamer, tu touchais à peine 1200€, tu commençais à vivre de ton stream. Tu touchais 1200€ grâce au sub. Ah, le programme est encore en cours. Le programme... Ah bah oui, mais c'est ce programme-là. Et en vrai, en bref, moi, je suis à 65 heures par mois.
Et donc j'ai pas grand chose moi, c'est j'ai quoi 15 balles de sub à peu près par mois. Mais voilà, si tu me retires un tiers, c'est, j'aurais 10 balles. Alors déjà que j'ai pas beaucoup, si je peux les avoir, je veux bien les avoir. C'est surtout ça. Mais le programme est toujours en cours. En fait, tant que tu t'es pas arrêté, tant que le programme est... c'est pas que le programme est en cours, c'est... Ok, il y a des emplacements qui sont déjà prédéfinis, en fait. Ok, c'est pas mal, ça. Et le programme est toujours en cours. Mais tant que t'as toujours... comment dire ? Tant que tu remplis ton quota à chaque fois, le programme continue pour la personne. Et là, je crois que c'est encore jusqu'en 2022, un truc du genre, donc... Donc voilà, donc moi il me restait, pour l'instant j'ai pas eu trop de difficultés, mais c'est vrai que là je vais partir 2 semaines en vacances, et comme il y a des gentils viewers qui me soutiennent pas mal en ce moment, j'essaie de faire mes heures. Plus j'aime bien, ça me donne un objectif, comme ça je sais combien de temps je fais à chaque fois. C'est un peu, comme ça je suis régulier dans le temps que je passe par mois dans mes streams. Sûr que tu pars en vacances, tu l'as dans le cul, quoi. Sans vouloir être vulgaire. Les mythes. Alors, faut que j'étudie ces merdes. Je commence à fatiguer, hein, parce que je suis quand même levé depuis 8h. Hein. Je vous rappelle que ce matin, il y a eu la matinale. Voilà, les papillons de nuit. Papillons de lumière. Sous les projecteurs. Les mythes, hop. Sinon, comment va, Juju, la forme. Caillou, nana, cire d'abeille, armure d'acier, solution d'accélération, sel de trucs visqueux. Ah, alcool de trucs visqueux, ça donne des points de... Ouais, ça a donné un point, yes, ça a trop bien, merci, fallait pas... Merci. Ta mère. Putain, comment... C'était quoi, ça? Qu'est-ce que j'ai mis? C'était de la gelée que j'avais fait, c'est ça? Extrait d'accélération. Ah, c'était de la gelée, ouais, putain. Et papillon. Papillon, résultat, c'est pour... me donner de l'extrait de chaos, ouais. Putain, c'est ça. Cuve à distiller, en vrai, il faut que je m'en fasse plusieurs, hein, parce que c'est trop chiant. Hein. Il faut que je m'en fasse plusieurs des cuves à distiller, en fait. Je sais pas ce qu'il me faut pour des cuves à distiller, mais bon, je pense que c'est pas ce qui manque. Cube à distiller. Cube à distiller, il me faut 20 caillasses et des pièces en fer complexe. Et y a pas des cubes à distiller 2 ? Il doit y avoir des cubes à distiller 2. Cube à distiller 2. Bah voilà, parfait. Nickel. Ça va plutôt bien, j'ai passé la soirée à venir dire bonjour à tous les streamers que je n'ai pas eu le temps de voir dernièrement et moi... Ah. Et tu es passé me faire un coucou. Trop gentil. Bah moi ça va, ça... Officiellement, nous avons fermé les bureaux, je pars en vacances lundi. Enfin en vacances. Je vais voir... c'est les fêtes, donc on va parler politique, ça va pas être des vacances. Ta secte du jeu de l'autre jour, ça a donné quoi? Je l'ai pas relancé. Alors, je pense que la dernière fois que t'es passé et que je jouais à ça, je l'ai pas relancé. En vrai, j'ai lancé Graveyard Keeper et je suis tombé dans les limbes infinies de ce jeu que j'adore. Des morceaux de pierre, morceaux de pièces en fer complexe, 4-4, pièces en acier complexe, 4-4 et 30 morceaux de pierre. 30 morceaux de pierre, hein, c'est ça? 30 morceaux de pierre. Ok, 4-4, complexe acier, 4-4, et 32 pierres. Donc j'ai pas relancé, mais faudrait que je relance, en vrai. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué dernièrement, parce que je me suis retrouvé... Ah, j'ai pas beaucoup de caillasses. Des pièces en acier, 4-4. Bah, ensuite, j'ai pas beaucoup de caillasses, mais 2 cubes distillés en plus, c'est très bien. 2, 3, 4... 8, ouais, c'est tout ce qu'il me faut en fait, 8. Et des pièces en fer complexe.
Pièce en fer complexe, j'en ai pas. Donc ouais, dernièrement, j'ai pas relancé le jeu, je suis tombé sur un autre truc. Mais faut que je le relance. Là, il y a les VOD qui vont être disponibles sur YouTube bientôt. Ah, tu vas passer les fêtes en facile, c'est pour ça que ça va causer politique. Oui, c'est pour ça que ça va causer politique. C'est exactement pour ça. Cube Odyssey, ah ouais, faut que j'étudie ces merdes encore. Ça va parler politique et disons que on est sur toute ma famille, on est deux gauchos. Voilà. tout est dit. Je pense que ça suffit. On est deux gauchos et je suis un des deux gauchos et tout le reste c'est de droite. Mais j'adore ma famille. Putain, je fatigue de ouf. Je voulais faire quoi ici? Pourquoi je suis descendu en bas là? Non, ça je sais qu'il faut que j'en prenne. Putain, pourquoi je suis descendu en bas? Ah ouais, je voulais ranger ma tourbe. Voilà, je commence à fatiguer si je les dis pas à voix haute. Donc, mais en vrai, c'est simple, on est... On n'est pas beaucoup, hein. Le repas de famille, c'est moi, mes grands-parents et ma copine, hein. C'est tout. Ensuite, le lendemain, c'est moi, sa grand-mère, sa mère et son oncle. Mais eux, on est tous à peu près du même bord politique. Mais mes grands-parents sont un peu de droite. Voilà. Et comme il y a la... Même si on évite les sujets qui fâchent, à un moment ça picole et puis là il y a les présidentielles qui arrivent. Ça va tomber. Soyons honnêtes. Ça tombe toujours. Cube à distiller 2. J'ai pas de pièces en fer complexe. Voilà, j'ai tout oublié. Et ça commence à... la fatigue. Pièce en fer complexe. Domicile. Mais j'en ai plus de ça. C'est bizarre que j'en ai plus. Pièce en... Des clous, là. Pièce en fer complexe. 8. 4. 8. Il m'en faut... Je sais plus. Attends. 4. Ouais, c'est ça. 4. Donc là, j'en ai juste besoin de 2. Donc, tac, tac, hop, 8, 8, 30, 30. Ça doit passer un savon au copain de ma tante à Noël pour les RT venant de compte Zemmourien. Oh là. Oh là, mon pauvre. Qu'il fait régulièrement et RT tout ce qui aime pas Macron en vrai. Des socs d'aime, Jean-Luc au facho. C'est pas une solution non plus. Hein. Ça... Bien d'être anti-macroniste, c'est mieux de savoir de pas faire de la merde. Bien d'être anti-macroniste, mais faut pas aller heurter des gens qui sont pires que lui, quoi. Dieu sait que Zemmour, c'est pire. Où est-ce que je peux le mettre, ma petite cube à distiller là, là, c'est pas mal ici. Bon, là, ici, techniquement, voilà, ici aussi, voilà. Deux cubes, voilà, c'est très bien. Alors ça se fait assez vite, on dirait. Hein. Hop. Ah, attends, faut que j'aille étudier encore un autre truc, là. Ah, c'est jour de messe. On va pas faire de bouger aujourd'hui. Extrait de chaos. Ah bah, faut que j'apprenne. On va faire une note. On va prendre un extrait de chaos. Ça va rien faire. Ouais, ça me donne quelques petits points, c'est mignon. Tac, 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 tac. Truc visqueux de vie. Bon, ça a donné un point, ça. Je sens que je vais gâcher mon truc. Ouais, ça donne rien. Et des Macron, croyant qu'il défendait ses intérêts de classe. Ils sont trop... Je comprends pas les gens qui ont voté Macron. Des gens, c'est des gens qui aimaient pas Sarko. Quand tu vois Macron, tu me dis vraiment que tu vas pas... Alors, attends, est-ce que c'est ça qu'il me faut? Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est une solution de vie. Donc, c'est au mixeur à main. Donc, j'ai fait de la merde. Donc, on annule. Non, ça annule pas.
sais pas ce que ça va me faire. Ça m'en fait plus résultat dans le cube à distiller 2. Ah, ça m'en fait peut-être plus. Cube à distiller 2. Un papillon. Et les verres, ça va ici. Non, pas le miel. C'est un Macron plus jeune. À quel moment ça allait bien se passer? Poudre de chaos. Non, mais c'est le mixeur à main, mais je suis un connard. Je fais pas d'effort aussi. Attends, c'est ça qu'il faut que je... Ouais, c'est ça. Solution de vie. Yes. Voilà, parfait. Moi, j'aimais bien les gens qui ont voté Macron. Ils disaient, ouais, mais il est beau, il est jeune. Ouais, vous avez écouté un peu ce qu'il disait. Le mec, c'est un mec qui disait, ouais, il y aura... Ses meilleurs potes, c'était des gros lobbyistes et des gars qui étaient patrons d'entreprise. Les gars... Quand même. À quel moment ils avaient passé aux employés? Non, mais c'est vrai qu'ils savaient mentir aussi, donc... forcément... Ouais, les gens ont marché. Hein. Oh, ça va vite, la cube à distiller. J'ai... Tranquille. Tranquille de ouf. Ok, les cubes à distiller 2, ça m'en fait deux fois plus. Ah ouais, mais il m'en faut une autre, en fait. Faut que j'en fasse une autre, de ouf. Ok, alors résultat, là, si tout va bien, normalement, je devrais avoir... alors, non. Non, alors. Faut que je fasse de l'acide. Non, ça va me faire... Injection de colle. C'est de la colle que ça va me faire. Donc là, normalement, si je fais... Solution de vie. Et... Attends, faut que je les étudie aussi. Solution d'extrait d'accélération, solution de vie, solution de santé, je l'ai déjà étudié. J'ai rien... Attends. Extrait de chaos. Attends, je suis bourré ou... Et de la... Ah putain, c'est... Ah d'accord, ok. Ok, et il me faut de la Heals Powder. Et de la Heals Powder, c'est... Pumpkin, Cabbage, Crop West. Pumpkin. Et la Heals Powder, j'en ai... Alors, Heals Powder, ok, d'accord. Heals Powder, j'en ai, là. Ouais, j'en ai pas mal, hop. Heals Powder, solution de vie. Et extrait de chaos. Hop, let's go. Apprenti. Découvrir 5 recettes d'alchimie. Ah, là on parle. Let's go les fluides d'embaumement, bébé. Non, j'ai plus d'endu. On est yimbe. Après Noël, comme le reste de la famille, on est à gauche, voire très à gauche. On le propagandise un peu à chaque Noël. Ah, vous le rapprochez un peu plus à droite. Ouais, c'est vrai que moi je suis un peu le... J'étais un peu le seul à droite. Faut que je la détruise, cette cuve là, elle me rapporte des problèmes en fait. Elle me fait tout gâcher. Reconstruire, retirer, tac, hop. Ce sera plus rentable d'en avoir deux en fait. Ah merde, la messe! Merde, la messe! Vite, j'ai oublié la messe! Messe un peu tardive! Vite! J'ai oublié la messe! Ouais, on joue plus à un jeu de secte, mais on est toujours là. On est toujours dans la même église. Je souhaiterais prononcer quelques mots. D'autres églises merveilleuses. À présent, prions pour cette bénédiction. Oh.
Ils vont rien me donner là. Et passe Charlot. N'oubliez pas de faire des dons. Vous connaissez les niches fiscales? Pourquoi ils connaissaient les niches fiscales? Les pinceaux Charlot, je connais pas. Ça me dit rien. Il me dit ça comme si je connaissais, mais c'est vrai que je ne connais pas. On dépose la foi, hop. Hop, et on va casser la petite merde en bas, là. Tac, tac. Et je vais en refaire un deuxième de niveau 2. Je suis full. Il me faut plus de coffres. Passer le coffre. Tac, tac. la ferraille. Détruire. Putain, il me faut des coffres. Capital, jeu de société des classes de Monique Michel. Ah oui! Oui, oui, je crois que j'en ai entendu parler. Jamais joué. Je n'ai jamais joué. Mais j'en ai entendu parler. C'est pas une sorte d'anti-Monopoly? C'est pas genre le retour au vrai Monopoly, un truc du genre? Si je me souviens. Je suis peut-être con, hein, je dis peut-être de la merde. J'ai plus de vinasse dorée. J'ai que de la vinasse. J'ai que de la vinasse silver? J'ai plus de vinasse silver. Ok, d'accord, bon, on va faire de la vinasse silver, hein. Ok, donc 34 et 4 pièces en fer complexe, 4 pièces en acier et 30 caillasses. 4 pièces en acier. Et je suis full. Parce qu'il est abonné à Capital. Capital, pas avec un K, hein. On est d'accord. Et il bosse dans l'immobilier, pour ça je dis qu'il y a encore du taf. Ah. C'est dur d'être de gauche quand t'es dans l'immobilier, je pense. Je pense qu'il y en a, hein, mais je pense que c'est rare. Ah non, mais j'avais de l'espace en fait, j'avais déjà les cailloux sur moi. Donc c'était bon. Hop, on va prendre la bière, on va refaire de la bière. Hop, fabriquer de la bière, on relance la bière. Faut que j'aille faire un tour à ma taverne pour me faire un peu de pognon. 5 pièces d'or, hein, malgré tout. On va passer à aristocrate. il me faut 30 caillasses. Vas-y, on va faire de la caillasse. Attends, j'en ai pas de l'autre côté de la caillasse? C'est un monopoly déséquilibré. Ouais, c'est l'anti-monopoly. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. J'en avais entendu parler. Ouais. Capital, pas avec un K, oui, pour son abonnement. Mais on a eu une discussion intéressante sur le squat l'an dernier. Ah, c'est... Va expliquer le squat à des gens de droite. Ensuite, c'est compliqué. C'est pareil, c'est des questions compliquées. Disons qu'il y a le squat d'endroits qui sont laissés à l'abandon, ça je comprends. Mais tu vois, genre, des fois il y a des trucs, c'est un peu abusé. Il y a des bons et des mauvais squats, mais ça c'est comme partout au final. Il y a une bonne droite et une mauvaise droite. Non, il n'y a pas de bonne droite en fait. Ok, j'ai mes 30 caillasses. Hop, deuxième établi. Deuxième, troisième cube à distiller deux. Hop, paf, paf, pouf, pouf, pif, pouf. Tac et tac. Ah mais faut que je me fasse un coin alchimie en fait. Soyons honnêtes. Là il faut. Là je commence à avoir. Alors ouais, des papillons de lumière. Faut que je me fasse une bibliothèque d'alchimie là en fait, en vrai. Ah, il y a aussi des cartes avec des trucs à faire, genre en dominant. Citer des niches fiscales et dominer en dominer chanter un son de manif pour.
Ah, quand tu joues dominant, tu cites des niches fiscales et en dominé, tu dois chanter un son de manif pour le jeu de société. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, non, mais c'est là où les vraies personnalités se révèlent, en fait. Moi, c'est vrai que Putain, des chants de manif. On connaît plus trop, moi, des chants de manif. Ah, c'est bien. C'est bien, t'es un connard. C'est bien, tu veux faire un truc, mais tu regardes pas ce qu'il te faut pour faire un truc. Ah putain, ils sont en train de me ramener masse de marbre. Résultat, j'ai plus de cailloux. Établi d'alchimie, râtelier d'alchimie. Alors, râtelier d'alchimie, il me faut 12 doses, 10 clous, 4 poutres. 12 doses, 10 clous, 4 poutres. 12 doses, 10 clous, 4 poutres. Ouais, faut vraiment que je me relise avant d'appuyer sur entrée. Désolé pour les parties de phrase en double. Attends. Non, ça va, tranquille. Non, mais je me doute que c'est... Alors, en 12 doses... Putain. Merde. 4 poutres, 12 doses. Pff, j'ai oublié. 12 doses. 12 clous. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce 4 poutres? Est-ce que c'est 12 clous, c'est ça? Attends, je me trompe peut-être. Ouais, je dirais que c'est 12 clous. On va dire que c'est 12 clous. J'espère. En vrai, mon râtelier d'alchimie, là... C'est bon, c'est ça. Râtelier d'alchimie... Je peux pas en faire... Ah, je peux pas l'allonger sur le long, là. Ouais, ici, ça pourrait être pas mal. C'est vrai, c'est bête, je peux pas l'allonger. Je sais pas si je peux passer entre, en fait, si je le mets là. Est-ce que je peux passer entre si je le mets là? Non, je peux pas passer entre. Je peux même pas vérifier, en fait. Il est vraiment cool comme jeu pour faire découvrir des concepts de capital et de classe sociale. Ouais, j'en doute pas. Ouais, faudrait... En vrai, ça pourrait être pas mal, ça. Il faudrait que je prenne... Oh, je pourrais... Ah, putain, ça me saoule. Mes clients, ils m'ont pas encore payé. Alors, c'est normal, parce que ils ont encore un peu de temps pour me payer. Mais résultat, je peux pas, pour l'instant, payer des cadeaux de Noël. Si j'avais pu... Alors, c'est tellement ce que j'aurais dû offrir à... Et péter le mythe de la méritocratie. C'est tellement ce que j'aurais dû... ce que j'aurais dû offrir à mon grand-père, hein. Extrait d'acération, extrait de vie, hop, poudre de chaos, allez, toutes ces merdes là-dedans, là, paf, solution de vie, la colle. Alors la colle, ça va pas là, la colle, enfin si, la colle, ça va là. Si, la colle, ça va là. Hop. Résultat. Alors attendez, j'ai la colle maintenant, alors... Il me faut de l'eau et des fioles coniques. Putain, j'ai pas des fioles coniques, j'ai des fioles coniques avancées. Je me déteste. Peinture noire. Attends, c'est quoi ça? J'ai de la gelée bleue là. Vas-y, on va la mettre en bas. Chauve-souris, ça aussi. Putain, mon vin, faut que je le dépose. Je disais des fioles coniques. Putain, ah, mais des fioles coniques, ça met du temps à faire. C'est chiant. J'ai bientôt plus d'eau, non, c'est bon. Tranquille. Tac, la bière. Les doses, j'en ai plus besoin. Hop, fioles coniques, on va en refaire, hein, parce que de toute façon des fioles coniques... Ah putain, j'ai plus de verre! Ah mais je peux en faire, c'est bon. Je peux en faire un peu. Est-ce que j'ai des fioles coniques qui traînent quelque part? Je suis sûr que non.
Ah, j'ai des fioles coniques. Vas-y, on va tout prendre. Hop, fioles coniques. Hop, je mets mon verre là. Mon verre, il est en préparation. Fioles coniques avancées, bah les couilles. La petite pièce en haut à gauche de la cave, c'est pour les prix actuels. Ouais, tu sais ça. En vrai, c'est. Alors, en vrai, je sais pas encore à quoi ça sert. Je vais te montrer rapidement. Hop. Là, je dépose juste mon vin. Faut que j'apporte mon vin à la taverne là. Et je pense ça fait un moment que j'ai... ça fait quelques jours que j'y suis pas allé. À mon avis, voilà le pognon là-bas. La pièce rapidement. Alors ça c'est dans... alors ça là ça sert à rien mais la pièce qui est là. Alors ça c'est l'entrée du donjon. Pas un donjon SM, hein, un donjon où t'affrontes des mobs. Et ici bah c'est marqué zone de sacrifice. Le problème, c'est que pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai quand même. Mais on a la possibilité de l'améliorer. Donc tous les crânes, là, c'est moi qui les ai mis. Donc, voilà. Je. C'est vrai qu'il y a un petit côté cthulien avec avec les trucs de torture et tout. Ok, alors j'ai ça, j'ai les fioles coniques. Ah, il me faut. Ah, je suis un connard. Et quoi, on va aller au camp de réfugiés, hop. Et ils vont tous se coucher, ouais, niquez-vous. J'arrive, ils se couchent. Hop. Comme ça, je refais ma petite route du miel rapidement. Ah, bah, mes ressources. Oh, en fait, le cimetière, c'est une couverture. Non, on était dans le cimetière, on est vraiment gardien de cimetière. Le problème, c'est qu'on est. En allant dans la cave, on est tombé sur des trucs. Ouais, j'ai pris beaucoup trop d'eau. J'ai pris beaucoup, beaucoup trop d'eau. Je pense. Ouais, voilà, on va en déposer un peu. 57, voilà, c'est très bien. Ah, c'est tellement mieux. Il me faut tellement ça à mon camp. Même moi, j'ai pas ça chez moi. Et disons quoi, c'est une couverture. Déjà, c'est une couverture pour dire que je ne suis pas de l'époque moderne, je suis pas de cette époque. C'est ça, c'est le truc principal, c'est que je cache. Ah putain, je suis en mode sommeil. J'ai quand même récupéré du miel. Donc je suis là. Mais disons que derrière le cimetière, ouais, il y a des trucs pas très nets qui se passent. Mais ça, c'est pour que j'essaie de survivre et rentrer dans mon époque, en fait. Parce que c'est le jeu, c'est un isekai, en vrai. C'est un isekai dans le sens... T'as eu un accident dans notre époque. Et l'idée, tu cherches comment rentrer à notre époque, en fait. Et t'as débarqué. Et quand t'as eu l'accident, en fait, t'as été téléporté dans ce monde en mode... ouais, t'es gardien de cimetière et tu fermes ta gueule. Démerde-toi pour rentrer. Parce que t'as envie de rentrer, parce que t'as une femme. Ouais, t'as l'objectif, le grand objectif, comme je répétais, c'est rentrer. Mais voilà, il y a plein d'objectifs, parce qu'ensuite il y a plein de quêtes secondaires et tout. C'est vrai que là, je suis pas mal dans le farm et le craft, mais c'est un but. C'est un but, le but. Là, c'est. L'idée, c'est que j'améliore mon cimetière. Faudrait que je fasse une soirée vraiment où je me focus sur les quêtes, mais les quêtes, dans tous les cas, elles demandent de craft. Hop. Voilà. Alors, rentrons au bercail, utiliser domicile. Petite sieste. Ah, j'ai mal au cul. Ah, c'est comme Escape from Tarkov, au final, tu vois jamais l'extérieur de Tarkov. C'est un peu ça, ouais. Non, là, on voit quand même... C'est vrai que en fait, en vrai, il y a un chemin pour aller à la ville, mais quand tu essaies de prendre le chemin pour la ville, tu meurs. Voilà. Ah, bah, comme ça, en plus, mon verre, il est fait, et là, je peux relancer des fioles coniques. Ouais, je vais même en lancer... je vais en lancer 3 d'un côté, 3 de l'autre, comme ça, ça va se faire vite. Voilà, parfait. J'ai du miel, on va faire du fluide d'embaumement. Alors, attends, j'ai lancé le fluide d'embaumement. T
technologie, mais ce qu'il me faut toujours, c'est de l'acide. Et l'acide, faut que je fasse des oignons avec. J'ai la flemme. Alors, on va faire de l'injection de colle déjà. Je peux en faire que 6. Ah, je peux en faire. Ah, ça en fait 30 quand même. Ça m'a bien rempli là. Quand en exil ou quand tu finis le jeu, ça efface ton perso du serveur. Le but est aussi de se barrer du jeu. Ah ouais? Ah ouais? Mais résultat, tu peux choisir de jamais finir. Ouais, c'est du faux objectif. Un peu comme The Forest quand t'arrives à la fin, quoi. Ah, j'ai un cadavre moisi. Merde. Oups. Bah, c'est bien, ça me... Ah, lui, il est moisi, moisi de ouf. Un peu de chair moisi, ça se revendra, ça se revendra. Alors, attends, on va ranger ça, hop. Mon premier fil d'embaumement. Hop, oh, de l'éclat de péché, je sais toujours pas à quoi ça sert. De forêt, je suis jamais arrivé à la fin, tu peux aussi te barrer de l'huile. Oui, c'est compliqué. faut le faire. Je Forest, c'est vraiment un bon. C'est, la fin est vraiment cool hein, en plus. Bah on va le cramer. On va le cramer vu qu'il est pourri. Il me sert à rien. Let's go burn it. Je sais pas si. Ouais, il me reste des billes. Ça va tranquille. Ok, bon, faut qu'on retourne farmer le donjon hein, parce qu'il me faut. Il me faut de la gelée orange, c'est chiant. Ah lui aussi, il faut le cramer, hein. Putain. Attends, lui, est-ce qu'il a été vidé, lui? Ouais, il y a la peau. Ouais, il y a de l'éclat de péché, vas-y. Ouais, on va le cramer aussi. Qui est pourri. Comment ça je suis full là? Et j'avoue je suis un peu full. Ça va. Soit vas-y nique sa mère, je m'en fous ça. Tout ça là, ouais, tous les morceaux de corps là, ça je m'en fous. Tac, 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 tac. Bon, j'ai toujours pas d'acide, quoi. C'est relou. Vas-y, j'ai envie de tester l'embaumement. Rapidement. Liquide d'embaumement. Fabriquer. Libérer la table. Ah, ah, ça met du temps. Ok. Ok, je découvre en même temps. On va prendre du vin et on va aller faire un tour à la taverne. Ah, The Forest, c'est... Je sais que c'est compliqué parce que t'as envie de rester tout le temps, mais y a une fin et la fin est très cool en plus. Qu'est-ce que j'ai à ranger là? Là, ça, là, ça, ça et ça, là, le sel et les cendres, ça, c'est à ranger. J'ai des abeilles, ça a rangé ça. Des éclats de péché, techniquement, je devrais les ranger. Le miel, c'est pas ici. On va en prendre 20 aussi de rouge, de doré. 40. Vas-y, on va en prendre 60 de silver. On va aller à la taverne.
à notre taverne. Le crâne qui parle. Alors, avant toute chose, hop, voyons les stocks. La choucroute, ça part pas. Personne ne veut de ma choucroute, putain. Personne veut de ma choucroute, en fait. Personne la mange. Personne ne veut... Ils s'en battent les couilles de ma choucroute, c'est cool. Je me sens un peu insulté, mais c'est pas grave. Et faites voir les ventes. Qualité de la taverne, 10. On est pas mal, là. Attends, fais voir. Je peux faire des trucs, là, ici. Table à étagère à artefacts. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ah, événement, festival du cimetière. Ah, il faut des prospectus, de la foi et étoile de réputation. Ah, d'accord, c'est là-dedans. Ok. Ah, je savais pas. Oh, j'ai envie d'en faire un. Ah, petite pièce d'or. Putain, ils achètent que mon vin, en fait. Vas-y, événement, il me faut des prospectus. Vas-y, on va aller faire ça. 5 prospectus, c'est ultra simple à faire. Du coup, au bout de 2 semaines, quand il a vu que ça me branchait pas trop, au final, on est passé sur Rust. 3 semaines après, j'avais perdu un ami. Ah. Alors, il faut plus de détails. Ça te branchait pas, The Forest ? Ah, The Forest, j'y jouais juste pour faire plaisir à un pote. Après, je déteste jouer aux jeux d'horreur de base. C'est pas un jeu d'horreur. En vrai, c'est pas un jeu d'horreur, The Forest. C'est un jeu de survie. Hein. Jeu d'horreur, une fois que t'as passé le cap des... C'est... Une fois que t'as commencé à avoir 2-3 armes, c'est plus un jeu d'horreur. Hein. C'est jeu d'horreur, c'est vraiment en solo, c'est un vrai jeu d'horreur, mais en coop, c'est pas du tout un jeu d'horreur. Alors, tout ça, ça dégage. Faut être honnête. En solo, c'est très horreur. Parce que t'es tout seul et tout, c'est quand même un peu chaud d'être seul dans The Forest. Tac, 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 tac. Ah putain, je fatigue. Où j'en étais là? Ah oui, prospectus. 5 de prospectus de la foi. 5 de prospectus, fais voir 5 de prospectus. Ouais, ça coûte que dalle en plus. Et je crois 5 de foi, un truc du genre. Vas-y, je vais prendre toute ma foi sur moi, comme ça c'est fait. Hop, utiliser. Crâne qui parle. Ça l'a resté pour moi malgré le pote qui avait fait une muraille de piège pour avoir masse de nourriture. Ouais, oh, mais ensuite si vous avez pas exploré, si vous êtes resté à faire des constructions, parce que à un moment, est-ce qu'à un moment vous avez eu la tronçonneuse? Est-ce qu'à un moment vous avez eu le pistolet? Est-ce qu'à un moment, parce qu'il y a plein de trucs hein, à débloquer dans The... à trouver et à débloquer. Ouais, et ils achètent pas de... Ils veulent pas de choucroute les bâtards. Festival du cimetière. Premier festival. Ouais, Roger. C'est que des... Que des croyants. Hamburger, fois 20. Ouais, ils sont contents. Rapport sur le cerveau. Revenu de l'événement 10, argent total, soit 17. Ok, donc là j'ai fait mon premier. Qu'est-ce qu'il vient à me dire? Vous savez quoi? Notre taverne aurait vraiment besoin d'un rabatteur. Installez-en un devant le bâtiment, vous allez rendre Roderick vert de jalousie. D'accord. Là, ça, un rabatteur. On n'est pas allé aussi loin. Ah, mais c'est peut-être ça, parce que The Forest se limite au début. Ok, alors je me doute qu'il veut un zombie. Il veut un zombie, je pense. Mais en fait, ils veulent que picoler, quoi. J'ai fait de la choucroute, ils s'en battent les couilles. Et quelle heure, là? 3h07. Ouais. Ça fait combien, là? Je suis à 5h presque de stream. Ah, ça va être chaud de faire les Césars avant de partir. Hein. Ok, lui, il a été embaumé. Il a été embaumé! Il est passé de 5 à 6. Pas mal. Je peux encore en rajouter des résultats, si je comprends bien. Ah, je peux pas en rajouter plus que ça. Libérer la table. Ah, je peux... Ah, tu peux rajouter qu'un seul liquide d'embaumement. Résultat, est-ce qu'il y a du liquide d'embaumement? Ok, vas-y. Hop, prendre le corps. Alors, il veut un petit zombie. Vas-y, on va faire un petit zombie ressuscité.
Bon, amitié finie sur noce, on a fermé 3 semaines, fait copain avec un voisin qui nous a trahi avec un autre voisin, on s'est fait éclater, le pote a pété un câble, on s'est engueulé parce que j'ai essayé de le calmer en lui disant que c'était juste un jeu, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça m'est un peu arrivé, le même genre de bail. J'ai perdu un peu à cause de Scum. À cause de Scum. Voilà. Et ensuite, on m'a streamstalk. Ensuite, on m'a streamstalk et on m'a harcelé sur Scum et on m'a harcelé sur mon stream. Voilà, c'était plus mon pote après, forcément. Voilà. Mais pour le même genre de bail, quasiment. Ni vu ni connu, ils verront pas que c'est un zombie. Voilà. Ils vont du... Placer un abattoir devant, c'est fait. Les jeux toxiques as fuck, en fait, Scum, Ross, lol. Ouais. À propos du rabatteur, notre taverne, le meilleur rabatteur du monde, et c'est un nom mort, tout comme vous. Avec ça en choix, les noms morts font les meilleurs assistants. Vraiment, au niveau de la réputation des autres, bon, montrez-moi ce que vous avez. Et ça sert à quoi que t'aies ça, en fait, sur toi, là, connard? Tu me les vends pas, en plus, ça. Je peux refaire l'événement, il me refaut un prospectus. Attends, j'ai envie de refaire un événement. On va refaire un prospectus, un événement. Chaque fois que je fais un événement, à mon avis, c'est la fête. Ah, mais faut que je lui donne peut-être la bouffe que je suis en train que j'ai fait, quoi. Tac, hop. Ah non, il faut des prospectus, ouais, c'est ça. Je peux en faire 5 des prospectus, là, résultat. Prospectus. Ouais, il faut que je refasse du papier propre, mais ça, c'est pas un problème. En vrai, du papier propre, ouais, voilà, je peux en faire 4. Vas-y, je vais faire plein de prospectus, parce qu'en fait, en plus, il m'en faut pour un autre truc. Mais ouais, mais en vrai, Scum, c'est bien, mais voilà, faut pas avoir peur des raids. En fait, si tu joues à Rust et que tu rages parce que tu te fais raid et que tu t'engueules avec tes potes, c'est un peu chaud, quoi. Prospectus, vas-y, on en fait encore. J'ai un autre, hop, un dernier. Attends, j'ai plus que 2 stylos et encre. Tu te fous de ma gueule. Ah non, j'ai de l'encre, mais j'ai pas de plume. Attendez, y'avait pas des cadavres que j'avais à cramer aussi, là? Le corps, hop. Fabriquer, hop. Je l'améliore, il va passer à 7. Ce sera mon premier mort à 7. D'accord, aussi, il est censé être toxique, mais j'ai trouvé un truc pour pouvoir jouer quand même, malgré le fait que j'aime pas le PVP. Il y a un mode qui permet de le transformer en jeu solo. Ah, c'est pas mal, ça. Utilisons, allons, cheval mort. Ah, mais c'est con que je peux lui parler, lui, ce connard. Les couilles. Hop. On va aller récolter la thune des caisses là. Même si je sais que ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Je pense qu'il y a un peu d'argent. Ouais, il y a un peu d'argent. Campagne marketing 10. Bah, c'est parfait. Je voulais améliorer de 1. Hop. Caisse vendue 94. Pas grand chose. Mais c'est toujours ça. Utiliser. On va au crâne qui parle. Hop. On va refaire un event. Ah non mais je suis un connard. Ah putain, je veux... Ah mais attends, attends, si je lui donne la choucroute, tout va bien. En fait, faut que je lui donne toute la choucroute que j'ai ici, quoi. Hop. Je vais lui donner toute la choucroute. Et résultat...
Hop, la choucroute. Festival du cimetière. Let's go! Aïe aïe aïe. Ça a l'air d'être des... Je vois pas c'est quoi le symbole. Hamburger, ils kiffent. Choucroute, ils kiffent. Ils aiment moins. Hamburger, ils kiffent. Pour le festival du cimetière, ils kiffent les hamburgers. Je sais pas si j'en ai encore ici. Utiliser domicile. Il m'en reste dans hamburger. Je crois qu'il m'en reste pas. Hein. J'en ai 4 dorés là. Est-ce que je peux faire des hamburgers encore là? Pourquoi pour faire des hamburgers? Hamburger. Alors j'ai tout ce qu'il faut, il me faut juste des oignons. Bah, y en a là. Tac tac, hop. Hamburger, on va en faire des silver. Tac. Tarkov en solo, le mode s'appelle Tarkov SP et tu peux y jouer avec une version Tipiak du jeu. Bah déjà j'ai pas Tarkov. j'ai jamais joué à Tarkov en vrai. Jamais. C'est un jeu qui m'intéresse mais j'ai jamais mis mon budget dans le jeu. Dernièrement, mon budget est assez restreint. Hop. Hop. Je fais masse d'hamburger. Ils vont être tout contents. J'ai des burgers. J'ai des burgers. Allez, vas-y, let's go. Let's go, on retourne à la taverne. Utiliser. Le crâne qui parle. Hop. Enfin, un dernier petit événement. Festival du cimetière, hein, c'est reparti. Ah non, 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 je suis un connard. Je lui ai pas donné mes burgers. Mais je force aussi, là. Je suis un connard. Oh là là. Bon, après, j'ai 1170 heures de jeu sur The Armor 3. Du coup, j'ai accroché à Tarkov, forcément. Et c'est ce que je dis, Tarkov SP marche avec une version pirate du jeu, pas besoin de payer. Ah! D'accord, ok. Ah oui, c'est vraiment la filouterie, quoi. la piraterie n'a pas de limite. Je suis un connard. Je suis un connard et... Je suis un connard, hein. Je suis un connard. Je suis un connard, je me déteste, je me suis saoulé. Utiliser, entrons au domicile. Vas-y, je vais déposer toutes mes merdes, là. Tac, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. L'eau, faudrait mieux que je le... ça, j'en ai pas besoin. Ça, faut que je le dépose en bas. Ça, faut que je le dépose là. Ok, tout ça, faut que je le dépose en bas. Ok, bah j'essaierai de retenir. Ou sinon, faut m'envoyer ça par MP sur mon Discord. Sinon, il y a proposition de jeu aussi sur Discord. N'hésite pas à mettre un message. Point d'exclamation Discord si tu n'as pas le Discord. Je dis souvent des conneries sur Discord. Astico, ça va là. Éclat de péché, ça va là. Extrait de chaos, ça va là. Tac. Tac. Tiens, on va mettre truc vicieux de vie. Ah, d'accord, ok, ça va pas dedans. On va mettre. Bon, on va continuer à mettre des papillons. Hein. C'est bien les papillons. L'histoire, alors j'ai un chapitre, le chapitre, pourquoi j'ai un chapitre, pourquoi j'ai une note moi? Ça va là, ça va ici, ça va ici, hop. Et on va aller déposer le miel, on va, et il est quelle heure? Il est 3h17, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un dernier petit tour en donjon après. D'accord, ouais, pour acheter, j'attends le moment où ils vont sortir la version pool PVP du jeu et transformer le jeu de base en jeu orienté PVE. C'est prévu, ça? J'ai plus de vinasse. En même temps, je m'en occupe plus depuis tout à l'heure. Tac, hop.
Et le miel. J'ai plus de place pour le miel. Si, j'ai de la place. Le miel, je vais en déposer 26. Hop là. Ok, tout ça, faudrait que je me fasse un deuxième atelier d'alchimie en vrai, pour en bas. Ok, bah let's go, on va aller faire... Ah non, je vais aller faire une sieste. Je vais faire ma sieste. Hop. Puis on va aller dans le donjon en espérant qu'on trouve les putains de gelées oranges là. Que je puisse fumer de l'acide. Enfin, créer de l'acide. Hop. La source, c'est le boss du studio Nikita. Donc quoi, c'est prévu? Ah oui, d'accord, ok. Avec Nikita, c'était en mode, c'est un streamer qui fait du Tarko, quoi. Même les quêtes actuelles, c'est des placeholders. Comment ça, des placeholders? C'est des trucs en attendant, c'est ça? C'est que ça veut dire? Niveau 8. Putain, je sens que c'est au niveau 11. Pas le mieux. Je joue à la manette. Hein. Je passe manette, résultat, quand je passe en donjon, je pense que c'est le plus malin. D'ailleurs, il y a tout qui change à la manette. Regarde-moi cette boule kamikaze de mort là. Merde! Putain, ils m'ont déjà niqué la moitié de ma vie! Oh les bâtards! Ils m'ont déjà niqué la moitié de ma vie. Ça part trop vite dans ces niveaux! Après, vu que le jeu est en dev depuis 7 ans, si je dis pas de conneries. Et 7 ans, c'est si vieux! Et encore pour plusieurs années, c'est pas pour tous. Putain, mais c'est chaud. Hein. C'est presque aussi. C'est aussi long que Star Citizen hein, en vrai. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Hop, un peu d'enduit en plus. Ouais, le niveau 8, j'avais presque fini en vrai. Hop. Ouais, les bouboules là. C'est un peu plus compliqué le donjon. Désolé, je suis un peu focus. Le jeu est sorti en alpha fermé le 16 août 2016. Pas 16 août 2016. Bon, ça va! Ça va, c'est même pas 6 ans. C'est même pas 6 ans. Non, ils ont pas commencé à le dev un an avant la sortie en alpha. Ça m'étonnerait. Ce serait un peu courant. Il manque encore 4 maps et un paquet. Ah, parce que c'est pas limité à une map? Oh bah ouais, ça a l'air de tenir autant de promesses que Star Citizen. Je dis ça, hein, j'adore Star Citizen, hein, c'est pas mauvais ce que je dis. C'est plus facile de se battre à la manette. C'est bizarre.
Hop, on est pas mal, on est pas mal. Il y a des trucs qu'il faudra que je jette. Ça, ça c'est quoi? C'est détruire. Détruire. Pareil, ah, bon céramique, je m'en bats les couilles. Allez, je l'ai bleu, je m'en fous. Oh, je peux le récolter, ça? C'est quoi? Oh, c'est du diamant, ça! Wesh! Mais ça se revend trop cher, ces merdes! Diamant à facettes. Ah, mais j'en ai dans ma cave! Non, il y a custom, factory, woods, le labo, la réserve militaire, shoreline, en map existant. Ouais, je croyais qu'il y avait qu'une seule... Je croyais qu'il y avait que la map Tarkov, quoi. Ok, avec une map quoi. Mais je suis débile, hein. Je connais rien du jeu ensuite. Bon, ça aide pas. Ça se sent là sur le coup. Ok, let's go, next suivant. Allez, stop, allez, stop, allez, les gelées oranges. S'il te plaît. S'il te plaît, les gelées oranges. Ah non, c'est des gelées bleues, putain, j'en ai marre. Wow! C'est quoi ce tas de merde? Ok, gelée noire. Ah ouais, d'accord. Ok, ça c'est le boss des gelées, quoi. Gelée noire. Après, de base, il voulait faire un grand monde ouvert, mais aucun PC serait capable de faire tourner ça. Bon, il disparaît pour Star Citizen et ça tourne très bien. Hein. Faut pas sous-coter les PC. En vrai, tu sais, c'est le principe des MMO, hein, comment tu crois que ça tourne? C'est le principe des MMO, hein, ils sont dans la même situation, les créateurs des MMO. Ok, j'ai pas mal de trucs, ouais, vas-y, ça, les clous ensanglantés, je m'en fous. Les cruches en céramique, pareil. J'ai trop de trucs! C'est le plus beau et le plus réaliste de tous les jeux Unity que je connais. Ah, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas mal aussi. Bon, ensuite, ouais, je m'en fous, moi, de la beauté. Les beaux et réalistes, c'est, ça veut tout à rien dire. Déjà incroyable le jeu qu'ils ont réussi. Ah, que c'est Unity, ouais, c'est un peu chaud parce que ça, j'aurais plutôt dit que c'était du Unreal. Sur le coup, vu le côté réaliste, justement. Hop, faut que je recharge mon rendu. Ah d'accord, ok, là il y a des pièges à la con partout, le truc est surélevé, nique ta mère. Voilà. Je suis obligé de tuer tous les mobs pour pouvoir passer de niveau. Je suis full là. Ah, je suis full. Voilà, je l'ai bleu, vas-y, bats les couilles. Mais non, mais non. En fait, je peux pas redéposer les trucs au sol, quoi. Hop. Non! Je suis mort! Parce que je garde mon stuff. Ah, j'ai gardé mon stuff. Putain. Ah, c'est chaud le donjon. J'ai pas le niveau en fait. En vrai, faudrait que j'améliore mon stuff. Putain, j'ai plein de merde. Résultat, tout ça là. Tout ça là. Hop.
Même la gelée, mais j'ai plus de... Y a plus de place. Y a plus de place. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, résultat, on a appris un truc, c'est qu'il y avait du diamant en bas, quoi. L'analyse de ta case, après, il y a une réelle importance dans le gameplay. C'est le fait que ton perso possède 10 hitbox différentes qui détermine ton choix de GG de cartouche. Ça a l'air trop compliqué. Rien que tu me dis ça, ça me fait plus envie d'abandonner. Mais ensuite, je suis pas trop pour l'ultra. J'aime le réalisme, mais pas... En fait, le réalisme, ça m'intéresse, mais dans Star Citizen, quoi. Plus sur le côté vaisseau et tout ça. Dans un FPS, je sais pas, ça me ferait un peu chier. Mais en haut, je sais pas. Je dis ça, Scum, déjà, c'était un peu réaliste sur le coup. Comment ça, j'ai 4 cadavres ici? Donc je peux mettre un corps là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si je mets un corps là-dedans? Prendre le corps. Âme du cadavre. Ah. Ah. Attends, c'est intéressant ça. Ça veut dire que les éclats corps en fait me sont utiles depuis le début. J'en ai plein de ça. À quoi ça me sert? Ça doit être ça que je dois pouvoir réparer. Réparer le purificateur d'âme. Ah. Ah ouais, ça me donne envie de commencer à farmer un peu de trucs. Bon putain, ça c'est diamant bordel. Ça doit se revendre tellement cher. J'ai classe 6 pour traîner et prendre du temps à viser ou classe 4 pour aller plus vite mais pas résister à certaines cartouches. J'ai que protège les bras. Ou pas, balle peiné pour les gilets expansifs pour tenter les bras ou les jambes. Ouais, ça a l'air... Faut quand même être à fond dedans à mon avis. Faut quand même être à fond dedans. Résultat, j'ai toujours pas d'acide, ça me saoule. Ça casse les couilles. Attends pas où je suis là moi. Est-ce que ce jour-là il accepte de parler? Pas aujourd'hui. Ok, je vais me faire foutre. Tant pis. Ouais, j'ai des raccourcis partout. Alors, hop, petit dodo. Alors, on a un peu avancé dans l'abonnement, mais on a toujours pas appris à faire de l'acide. Enfin, en vrai, si je pourrais faire de l'acide, il me faudrait... Faudrait de l'oignon, quoi, putain. En vrai, je vais prendre le vin. Je vais tout déposer. Même le travail sonore, c'est ouf. C'est un des rares jeux que je connais en son binaural. Et surtout, où ça sert. Ouais, il y a quand même pas mal de jeux maintenant qui font des trucs très ciblés. Hein. Tu regardes Rainbow Six. Rainbow Six, c'était d'une précision au niveau du son. Rainbow Six, même Apex, hein. Même Apex. Cheval mort. Ah non, je veux des prospectus avant. Annuler. Je joue à la manette là comme un connard. Prospectus, il me faut du papier. Et pour du papier, il faut que j'aille à côté. Il faut que j'aille là, papier propre. Prospectus. Hop. Pourquoi ça s'est pas récupéré là le reste? Jamais joué à aucun des deux. Le son est vital comme Tarkov. Ah bah le son. C'est le son qui fait la différence entre les bons et les mauvais joueurs. En vrai, moi dans Apex, c'est le son qui faisait que je pouvais prévoir tous les déplacements des joueurs. Ouais, alors que dans Unshowdown, alors que le son est ultra important, je le trouve beaucoup moins précis, tu vois. Alors que dans Apex, vraiment, le moindre son, je savais la position de tous les joueurs. Je savais ce qui se passait, je savais ce qu'ils utilisaient comme capacité, je savais tout. En vrai, tu ne voyais pas le joueur, tu savais à quel moment il allait se déplacer, ou quand, comment.
C'est ça que beaucoup de gens maîtrisent pas dans Apex, et c'est ça qui m'énervait. C'est que beaucoup ne connaissaient pas les sons. J'ai mes prospectus, vas-y, on va au crâne qui parle. Voilà, on a une nouvelle étoile en plus, c'est parfait. Je vais remplir mes caves de vin rouge, hop, tac. Ah, l'autre, je me demande combien il achète les diamants, petit bâtard. Hop, on va utiliser 5 prospectus. Ah putain, il me faut ma foi. Domicile. Utiliser domicile. Et Rainbow Six, ouais, parce que c'est de la... Oh, t'as une notion de défense et d'attaquant. Les défenseurs sont dans un bâtiment et les attaquants ne sont pas dans un bâtiment. Et le son est ultra vital. C'est deux jeux vraiment où le son doit être ultra précis. Rainbow Six, j'avoue que des fois, ils faisaient des trucs chelous, mais ils ont énormément amélioré ça. Mais à Apex, vraiment, le son, c'était vital de ouf. 5 de fois, hein. Ah bah c'était pareil dans Apex. Ouais, non, t'avais pas des casques anti-bruit et tout. Mais t'avais des casques, genre t'as un casque et résultat ça te permet de pas faire de bruit, c'est ça? Attends, tu veux dire un casque IRL? Rainbow Six, il a enfin un mode PVE ou pas? Ouais, non, c'est un jeu... Rainbow Six, de base, c'est un jeu PvE, mais Rainbow Six Siege, c'est que du PvP. Ensuite, ils ont fait des petits modes PvE, mais c'est pas pour ça que tu joues à Rainbow Six, en vrai. Je sais que j'ai pas ma cam, hein, je... What? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un message supprimé par un modérateur. Bricebot a pendant 3600 motifs automatique anti-bot protection raison botting scamming spamming Wizbot spam ban par Wizbot. D'accord, il y a un mec qui vient de se faire ban en auto. Hamburger 12 26, ouais, ça me rapporte que dalle les événements. Petit 73. Ah, ça monte l'argent, je suis à 9 pièces d'or, hein, malgré tout. Bon, on va faire la dernière messe de la soirée, et on va aller se coucher, mes amis. Parce que je n'en peux plus. Je suis levé depuis trop tôt, il faut que je fasse une grasse mat demain. Je vais acheter des bougies à l'autre connard, là. J'ai combien de bougies chez moi, là? J'en ai 4, il m'en faut 12. Il faut que j'en ai 8. C'est quoi ces gens qui augmentent les tarots là? Plus je leur achète de trucs. Un petit 16 pièces? Ouais, c'est rentable. Au final, je vais garder que 16 pièces d'argent, mais c'est rentable. Nope, en jeu, les casques de Tarkov gênent le GSH. Permettre de filtrer les sons pour entendre mieux d'autres sons. D'accord, ok. Hop là, la dernière messe. Ceci, mes amis, est la dernière messe. Bienvenue, je vous souhaite très bon ensemble avec quelques mots. Maman. Notre église est merveilleuse. Faisons prions pour cette bénédiction. Tous nous sommes les bienvenus, bien sûr, comme d'habitude.
Alors, combien ils ont donné? Alors, pour Rainbow Six, ouais, il y a un petit mode PVE, mais c'est, il est pas ouf. C'est un mode PVE contre des zombies. C'est pas la folie. C'est sympathique, mais c'est pas Rainbow Six Siege, c'est vraiment du PVP, quoi. Ok, eh bien, c'était la dernière messe. Voilà, on a encore un peu avancé. J'ai l'impression qu'on a un peu tourné en rond ce soir. Peut-être parce que je fatigue. Peut-être qu'il faudrait que je me focus un peu sur les quêtes, mais en vrai, on a avancé dans le fruit de l'embonnement, on a avancé dans le donjon, on a fait les premiers événements du bar, on a gagné pas mal de pognon, putain. Là, ça serait encore sans moi Rainbow Six, du coup. Ah bah, c'est du multi, hein, Rainbow Six Siège. Ensuite, il y a les premiers Rainbow Six, hein, les anciens Rainbow Six, c'est pas du PVP. C'est pas du PVP, c'est du PVE principalement. Sur ce, alors ne quittez pas, hein, ça a sauvegardé, attends, c'est sûr, ça a sauvegardé, ne quittez pas, je vais faire une outro, c'est une outro pour la rediff, voilà, comme d'habitude, hein, pour les deux du fond qui suivent, pas, donc ne quittez pas. Sur ce, la rediff, j'espère que vous aurez bien kiffé cette petite VOD de 3h51. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Voilà, toujours plus de VOD, toujours plus longue. Et surtout, n'oubliez pas la recette, les cuisines ferment la porte. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle VOD. Des gros bisous, ciao ciao.